Dis bah tu sais quoi, tu fais une game, si ça se passe bien bah, tu continues, si ça se passe mal tu quittes instant. Plus simple. Du coup, voilà, on était tombé sur elle et ah oui merde du coup, clavier anglais. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Bah on doit faire la suite du jeu quoi. Ok donc on doit aller par où? Je pense qu'on doit aller au parc Moonlight. Pourquoi je pense ça alors qu'on n'a aucune indication? C'est parce qu'elle a dit que c'était un endroit pour les petits amoureux. Et du coup... Ah, parce qu'elle elle voulait nous emmener dans un endroit apparemment fait pour les amoureux. Donc là-bas, vous avez le son du jeu ou pas? Vous avez le son du jeu ou pas depuis tout à l'heure? De toute façon, ça a pas changé depuis... Ah bon, vous l'avez. Ouais, c'est bon. Tac. Salut Kashoux, comment tu vas? C'est qui Kashoux? Le jeu, c'est Silent Hill 2. Remake. Parce qu'il est sorti il y a longtemps, le jeu. Il est sorti sur PS1. Pour ceux qui étaient là, les vrais. Bah moi, j'étais pas là. J'étais né, hein, mais j'avais pas de PS1, quoi. Vas-y, dis-nous. That's a long time. What will you tell her if, when... Là, t'imagines, t'as une conve avec une meuf, t'es comme ça pendant le date, si tu marches alors, tu recules, t'sais. Oh, excellent. Lucky her. What's that supposed to mean? Nothing. Like I said, 3 years is a long time. Ok. On fait du moonwalk pendant le date. Enfin, c'est pas un date, hein. Tac. Tu marches en arrière. Ça s'appelle reculer, Liana. C'est le mec trop chiant. Ok, bah, de toute façon, c'est... en vrai, tu sais quoi? Vas-y, on va sprint en vrai. De toute façon, la meuf, elle sprintera. Ah, super, la route est bloquée. On doit faire tac. Un petit détour qui sert à rien. Voilà, cinématique. J'ai ouvert un date avec Michael Jackson. C'est qui, Michael Jackson? This should not be here. It is. So, what now? Now we look for another way. Ah ouais, d'accord, on va devoir faire tout... Ouais, je vois bien le délire de... On va devoir faire tout le tour. Alors que, bah, on avait un aller simple et il y a comme par hasard, il y a un trou. C'est quoi ce bruit? Ouais, c'est normal qu'il ait plus sa bague. Oh. Super, on a plus notre bâton. Ah, j'ai le fume la voiture, hein. Ah, on a un autre bâton. Ok, c'est pas grave. Mais parce que moi, si j'ai plus de bâton, je pète mon crâne, hein. Et de toute façon, t'inquiète. Maintenant, on a un nouveau bâton. Il y a un mec en face. Par contre, c'est chiant. Il y a un truc qui est chiant dans ce jeu. C'est que tu peux pas... équiper des trucs à des touches. Genre en fait par exemple là j'ai le son du jeu est un peu trop fort. Ah ouais. Je sais pas, je l'avais augmenté parce que le premier let's play on entendait rien. En fait ce qui est chiant c'est que par exemple je peux pas dire par exemple le tuyau je veux qu'il soit en 2, le flingue en 3, etc. Et du coup en fait je me fais baiser dans l'histoire parce que du coup, je suis obligé de faire échappe, E, pour équiper le truc à chaque fois, tu vois. Ouais, c'est chiant. Non, la vie de ma mère, on va à quick, wesh! J'ai envie d'un burger! Je le fais bien ou pas? Ok, regarde bien. Boum! Là, on va dodge. Eh ben, on dodge rien du tout, frérot. Esquive du vomi. Ok, lui, il meurt. Esquive du vomi. Crève bâtard. J'ai l'impression que ce bâton est plus fort, hein. Oh putain, pardon, je suis désolé. Ah, le date de merde, il tue la meuf.
Et qu'est-ce qu'elle fait là en même temps? Reste pas dans les pattes quand je suis en train de me battre. Ah ok, il y a le mec qui rampe. Lui, il mérite un coup de bâton. Super. Coup de bâton. Coup de bâton. Coup de bâton. Coup de bâton. On va se soigner. Oh merde! Coup de bâton. Wesh, ça a pas marché. Coup de bâton. Coup de bâton. Merde. Coup de bâton. Coup de bâton. De toute façon, on a qu'une attaque, hein. C'est coup de bâton. Donc... Arrête de spawner derrière moi, toi. Oh. Tu m'aides même pas en plus. Ok, il y a encore un autre mec. Ah ouais, mais il y en a plein en fait. Mais coup de bâton alors. Coup de bâton encore. Esquive du vomi. Wesh. Coup de bâton. Oh là là, les coups de bâton. Il va vomir. Esquive. J'ai clairement pas esquivé, mais vas-y, pourquoi pas. Oh le bâtard. Coup de bâton alors. Coup de bâton. Oh là là. Comment il va, Herbie, au fait? Lui mérite son coup de bâton, tu vois. Coup de bâton. Coup de bâton. Vomi. Coup de bâton. Oh là là. Coup de bâton, les gars. Coup de bâton, meilleure technique. Hein. Adoptez cette technique dans la vie de tous les jours. Quelqu'un vous énerve. Coup de bâton. Regardez comment ça marche super bien contre des méchants extraterrestres bizarres. Coup de bâton. Into, coup de bâton. Into, tu l'écrases à la fin. C'est très important de l'écraser. Sinon, c'est pas bon. On va se cacher là-dedans. Je pense qu'ici, c'est un bon spot pour se cacher. C'est un bon spot pour des barres. Ah oui, c'est vrai que j'ai un fusil. Ah mais y a pas de balles, c'est pour ça que j'utilisais pas en fait. Du coup on va se rééquiper du bâton. Tu vois c'est chiant qu'à chaque fois que je suis obligé de faire tab et me rééquiper. Il doit y avoir une touche hein. Où ça? Le coup de bâton. Oh là là. To the fence, où ça? Ah. Il va falloir l'aider à passer. Ah non. Oh là là, quelle technique ce coup de bâton les gars. N'oubliez pas, hein, adoptez cette technique si jamais quelqu'un vous fait chier ou si vous avez envie d'un burger et d'aller chez Quick. Là, parce qu'il y avait une tempête juste avant et là, ça s'est calmé en une seconde. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah ouais, on sort la clé de Cénibar, le classique. Le classique, j'ai envie de te dire. Pourquoi elle regarde de haut comme ça? Mais en fait, c'est une aguicheuse un peu. Je sais pas comment dire, mais... Ça se voit, elle veut la queue de James, tu vois. J'allais encore dire Marc, mais pourquoi je voulais l'appeler Marc, frérot? Je sais pas, genre il a une tête de Marc. Mais en fait, non, même pas, il a même pas du tout une tête de marque. Non, la vie d'avion, on va à Quick, wesh. J'ai envie d'une. Ce mec, il a pas compris, le mec. Regarde, elle frotte la porte et tout en mode. On va bien se régaler là-dedans. Elle veut un coup de bâton. Mais frère, elle veut un coup, mais pas du bon bâton. Tu vois, pas du même bâton. D'accord, bon là. Mais c'est un Quick! Mais la vie d'avion, on est à Quick, wesh! Mais c'est fou, mais on est vraiment à Quick? Il a une tête de marque. T'es quoi, vas-y, j'ai même pas réagir à la vanne. En vrai, j'ai même pas lire la suite du message, t'es quoi. Du coup. Ah, Maria, en fait, c'était une... voilà. Hein. Une chaudasse. Oh putain, il a marqué 12, d'accord. Super intéressant. Interessante. Parce que bizarrement, elle avait la clé des lieux. Bizarre. Ah, elle se change. Et là, elle va ressortir avec les petits vêtements. Les petits vêtements qu'elle avait pris. Je sais pas si vous en souvenez. Wow, wow. Ah, mais... Attends, on va la voir à poil ou... Parce que moi, ça m'intéresse... Pas... Non, sur Twitch, non, du coup. Je peux pas. Je suis vraiment désolé, les gars. Sur Twitch, on pourra pas. Ah, qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh ben, du soin. Par contre, on a beaucoup de soins. On a beaucoup de soins et ça me met pas bien. J'ai cru que ça avait bougé, ça. Mais non, je dis de l'énorme merde. Ah ouais, hein.
Ah ouais, hein, le paradise en question. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans en fait, hein? Marc, tu connaissais cet endroit, avoue. Avoue, c'est là que t'as rencontré Marie. C'est le mec chiant. Il est perturbé, il fait genre il est étonné, mais t'inquiète pas, t'inquiète même pas. Ouais, moi, à toi, je toucherai pas trop les bords des trucs et tout parce que. Maria? Ah non, mais c'est pas du tout changé. Ou alors c'est un bug. Imagine, c'est un bug. Non, 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 par contre, sur Twitch, même c'est un peu gênant. Fais pas ça de suite, genre. What? Oh, come on, don't give me that look. I was just kidding. What is this? This a special place you made? Marc, ça se voit, il fait un test de pureté, il est très pur, mais Maria, je suis pas sûr. Just have to go through and out the front. La tête qui a, ça me fait rire. Now that we're here. Puisqu'on est là, non, bah non. Can't we stay? Just for a little while. Every time I turn around. Mais là c'est pas le même, là c'est le jeu a plus de qualité quand même. Bah ouais, j'avoue frérot. Mary could be out there, waiting for me. I know. It's just. This place, this whole thing, it's like a nightmare. I just wanted to get away from it, even for a second. I'm sorry. No, it's ouais, ouais, frère. Je sais pas si c'est notre sorry, pote ou si, genre, j'arrive pas à comprendre, en fait. Ce perso, il m'agace. Am I crazy? You know, for thinking she could be here. Crazy is one word for it, I guess. I can think of another. What's that? Hopeful. It's a nicer way of putting it. Here. What are you doing? Something to take the edge off. C'est encore bon ça? Enfin, tu me diras, là, c'est de l'alcool donc. Mais Kem, je ferai attention que ce soit pas de la piste de la piste de mutant, tu vois. No? You sure? Be that way. Here's to. To hope undying. Non, en vrai, tape pas dedans parce que sinon. Bon, il va taper dedans, mais. Et voilà, ok, il y va. Fine. On pourrait croire que James c'est un gars chiant, mais non, c'est juste un gars. Frérot. Ready when you are. Enfin, moi je trouve Maria est quand même un peu bizarre. Oh, c'est quoi ce truc là? Objet trouvé. Il y a une photo, des lunettes. Une alliance et un portefeuille. Avec une photo. Ça doit être un easter egg dont j'ai pas la... C'est quoi? Yeah. Pas la ref. Hein. Je suis pas... Je bois pas d'alcool, les gars. C'est haram. C'est fou. Je suis pas du tout arabe, les gars. Is that you? Would you like it to be? Wesh, c'est un peu une faux folle, Maria. Hein. C'est un peu une crazy baka, si vous voulez mon avis. Hein.
Je fouille parce qu'au cas où il n'y ait pas de... Je touche pas trop les meubles, hein, parce qu'ici, il a dû se passer des trucs... On aimerait pas trop savoir. De toute façon, là-haut, c'est d'où on vient, donc en soi, y'a rien, bon, vas-y. Non, putain, il m'a fait trop peur. Des fois, il me fait trop peur à sortir sur Sam comme ça quand je misclique, là. Vas-y, on y va. Bah, c'est bon, on y va, là, non ? Il faut peut-être explorer d'autres trucs. Ouais, bah d'accord, c'est des photos, quoi. Pourquoi on doit toutes les regarder comme ça ? Ah, mais parce que c'est marqué un truc dessus, en fait. Ah bah non, là c'est marqué rien. Ah non, j'ai cru que c'était marqué un truc à chaque fois sur les photos, mais... D'accord, on regarde les photos, mais y'a rien de façon qu'on s'en bat les couilles. Ah, attends, non, ça c'est... j'ai déjà vu. Bon, vas-y, on se casse. On se casse de manière insolente. I'm not sure if that's a good idea. Whatever you say. I mean, any port in storm, right? Mais je jure, elle veut trop. C'est un goat. Mais elle veut trop. Elle veut quoi. Elle veut, hein. J'en dirais pas. Polybius, les gars. Est-ce qu'on va... De toute façon, il n'y a pas 36 000 solutions. On va se casser de cette direction-là. Il va y avoir des mobs. On va réutiliser la fameuse technique du coup du bâton, les gars. N'hésitez pas à faire ça sur votre petite sœur, d'ailleurs. Bah ouais, du coup, en fait, c'est tout droit. C'est de ce côté-ci, en fait. Et ouais, sauf que moi, tu vois, je vais là. En fait, c'est fermé. Du coup, non, je vais pas là. Mais je vais dans cette... Ah ! Vas-y, tape. Pousse-toi, Maria. Mais quelle connasse, putain. Pourquoi elle s'est mise devant? J'ai pris un coup inutile. Oh, le bâtard. Tu vois, c'est ça, ce jeu-là. Et d'ailleurs, eux, la radio, elle les détecte pas, genre? Parce que, désolé, mais là, j'ai pas eu de radio. Hein. Au moins, on a gagné des balles, on va dire que c'est une bonne chose. Ouh, on en a gagné beaucoup, en plus. Là, j'imagine que c'est fermé. On va se barrer. Je trouve marrant qu'il y ait un succès tenter d'ouvrir des portes 50 fois, un truc du genre. Ah merde, c'est pas là en fait, je suis... Si, c'est là en plus. Bah si, c'est là, mais ouais, du coup, bah on va se faire foutre. On va se faire foutre en fait, hein. Alors on va faire le tour par un bâtiment sombre et humide dans lequel on va croiser monstres et varioles. C'est fermé en fait. Non mais casse-toi Marie avec tes... Avec tes énormes melons là. En plus j'abuse, ils sont pas si gros. Du coup, on est venu où, là? On est re-là? Bah, c'est juste en face, en fait. Bon, cinématique, du coup. Look, we're on the other side of that chasm. Some detour. But hey, at least we're here. On a fait un détour dans un striptease, hein. Comme par hasard. Comme par hasard, le détour. On dirait que c'est Maria qui a fait le trou, limite. Ah, enfin, la cinématique. La cinématique était grave utile, en tout cas. A garden? There's a bit more to it than that. Non, c'est un labyrinthe. If you say so. I don't think I've been here before. Come on. She's just around the corner. She? Qui n'est plus très loin? Marie? Attends, on peut pas passer en dessous, là? On dirait un truc, tu sais, genre, en mode, tu peux t'allonger. Bah, non, en fait. Mais oui, c'est bon, j'arrive. Oh là là. Alors, de visiter, c'est la première fois que je viens ici, moi. Et là, c'est Marie et fin du jeu, tu sais. ça me zéhefferait un peu, quand même. Wesh, la statue, on dirait Marie un peu. Non, t'inquiète, c'est pas la fin.
J'espère. Sentenced to die on an island out on the lake. There was a man in town who fell madly in love with her. And every night he would sneak out, row across the lake, bringing her food and company. And every night she would stand there on the shore, holding a lit candle to help him find his way. But this one night, a terrible storm broke out, caught him out in the open, and it blew out the candle. Even in darkness, the man would not give up. He would not turn back. So he fought against the raging waters until finally the lake took him. They say even then, the woman never lost hope. She kept coming out at night, kept lighting the candle to bring her beloved home, to lead him to shore. Not sure how much truth there is to it. It's probably just a fairy tale. Fairy tale animée ou? But she's become something of a local saint. Patron of undying love. Hence this place. She's not here. What? She's not here. And why would she be? I don't even remember this place. This was a mistake. I shouldn't have come here. Hey. It's okay. There's plenty of other places to look. We can still... Come on. C'est la petite fille qui nous avait écrasé la main. Bah, tu sais quoi, qu'elle se fasse bouffer par Pyramidhead, par la créature, par le démon Gorgon, tout ce que tu veux, parce que, hein. Quelle petite connasse. Oh non, pas le theater. Le theater. Il est relou, le theater. Ah putain, il s'est blessé. Maybe you better wait here. Okay. Not much of a movie fan, anyway. And James? Yeah. Be careful in there. Ouais, je dis. Dis-lui quand il est de l'autre côté, parce qu'il est pas quand il est en train de monter à moitié tordu, frère. Moi, je l'aurais fait rentrer quand même. À la limite, elle reste, voilà, elle reste dans la petite salle ici, tu vois. Mais. Oh, Eddie! Il est pas mort! Et c'est quoi, on va le tuer? Qui prend des balles, il tue. Par contre, Eddie qui traîne avec une petite fille. Eddie. Fais attention, Eddie. Fais attention. Tac, c'est qui? Ah si, bah c'était le gros qui était en train de dégueuler dans sa chambre là. Et la petite fille, je crois que t'étais pas là, Eliana, c'est une... C'est une petite fille qu'on devait trouver un... On devait trouver un... une clé, et à un moment elle était passée pour nous écraser la main et après elle s'était barrée. Eddie William. Wesh, mais quoi? Attends, mais il fait quoi avec la petite fille là? Mais Eddie, c'est un agresseur de fou, en fait. Eddie? Ah non, c'est un popcorn, oh. Putain. You're, James. We met back at the apartment building. Yeah, I remember. Ah, mais Hiro, il mange de la glace déjà de 1 avec ses mains. I
see that you didn't make it out yet. Et de deux, yeah. Genre la glace, qu'est-ce qui lui dit qu'elle est pas At least you got your appetite back. Mais non, mais il mange des trucs, mais ce truc c'est pourri de fou, frère. Mais la ville elle est abandonnée, hein. Il est con, il dit ou quoi? En plus, il se réessuie sur lui. Are you alone here, Eddie? Non. No. Well, it's probably just Laura messing around. Mais little girl? Eddie, il a pas l'air bien, hein. Laura, is that her name? That's what she said. I'm gonna go look for her. Moi, il a pas l'air bien. Hein. Il parle genre comme ça en mode. You coming? Now you want me to come with you? Never mind. Ah ok, il nous fait la gueule parce que. Non, pourquoi il nous fait la gueule en vrai? Parce que. Ah oui, parce qu'en gros, il a dit, ouais, venez, vous pouvez rester avec moi et tout. Et nous, on a dit, ah ouais, non, on doit trouver notre femme et tout, donc on va devoir partir. Et il l'a mal pris parce qu'on n'est pas resté avec lui. C'est bon, le frérot, il a 5 ans et demi ou quoi? Ah, petit film en vrai, casting of Frank Stone. C'est un mec, quand on lui dit de manger de la salade, il dit, dans la vie de ma mère, ouais, voilà, c'est exactement ça. Quoi? Laura? Oh putain, il m'a fait peur à regarder comme ça tout seul automatiquement là. Elle est où là, les backstage? Je pense que c'est là, il doit y avoir un escalier. Bah non, assis. Bon, il va y avoir un monstre. Non, je pense pas parce que Laura est allée sans souci. Ouais, comme par hasard, elle s'est barrée, la petite saloperie. Ouh là, j'ai failli dire un truc de fou, heureusement que je suis rattrapé. Tac. Non, en vrai, par contre, je suis désolé, mais la gamine, je veux bien que tu fasses une gamine rebelle. Genre un peu crazy baka, mais juste une gamine méchante. Pour écouter que ce soit une gamine ou pas, bah, va te faire foutre. Bah, je peux passer nulle part, en fait, hein. Assis là. Et là, tu vas voir qu'elle va baisser l'échelle ou... Elle est là. Ah bah c'était pas le bon truc. Bah oui, c'était pas la bonne salle de cinéma du coup. Putain, elle est relou, frérot. On est là pour l'aider. Elle préfère être toute seule et se faire bouffer par la moitié des créatures qui peuplent cette ville, frérot. Bah, c'est illogique, hein, concrètement. Hein. Je suis désolé. Hein. Au lieu d'être avec des adultes qui ont des gros bâtons, dans le sens des armes, hein, qui ont des tuyaux. Bon, après, être avec Eddie, ça sert un peu à rien, mais... Il est encore là d'ailleurs, ce gros tas en train de bouffer les... Ouais, il est bien encore en train de bouffer sa glace avec ses gros doigts. Je pense qu'il est déçu qu'il n'y ait pas un quick à Silent Hill. Hein. Sinon, t'inquiète pas qu'il aurait été content le frérot, mais... Il aurait toujours été chez Quick pour avoir son burger. Je pense en dessous, il y a un monstre. Clairement pas. Non, là, c'est là d'où on vient, on est d'accord. On va se barrer. Laura, stop! It's dangerous! It's dangerous, Laura! Oh là là, mais quel œil cette Laura! Mais quel œil! Maria? Did you see a little girl? Yeah, I tried to stop her, but. She went that way. We can still catch her. Mais wesh, laisse-le tranquille, le pauvre. Bah, c'est bon, en fait, avant c'était le goat. Mais là, ça y est, il nous fait la tête parce que on veut trouver notre femme. Et ça y est, laisse-nous trouver notre femme tranquille, enculé. Hein. Frère, il était sympa et tout, mais là... Il m'avait laissé tout seul et du coup j'ai pleuré. Bah frérot, t'étais en train de vomir, t'étais à moitié mort, on n'allait pas attendre que t'avais fini. Hein. On a des choses à faire. Hein. Désolé, mais Maria a déjà été plus utile que toi. Y'a rien, super, y'a que dalle, y'a dalle que. J'essaie de tous les bâtiments, mais de toute façon c'est fermé, donc en vrai on s'en branle. Oula, y'a eu un chargement, ou c'est ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y a un monstre qui a spawn.
Elle tente s'enfuir loin, hein. Ah, c'est plus s'enfuir, là, c'est... Ah, quoi? C'était là, ça, avant? Ah, bah, c'est fermé. Elle est où, en fait? Je comprends pas. Je veux bien qu'elle se soit barrée, hein, mais dans la limite du raisonnable. Ouais, c'est quoi, ça? Non, me dis pas qu'elle s'est barrée dans une maison sombre et humide dans laquelle nous allons devoir passer 2 heures à partir de maintenant. Alors, me dis pas qu'elle est partie dans cette forêt sombre et humide. Ça se voit, elle est arrivée première au cross, mais clairement. Hein. J'aime bien la blague quand même, j'ai bien aimé. Elle est arrivée première au cross, frérot. Je l'aurais pas sorti celle-là. Putain, le putain de cross du lycée, enfin du collège là que t'étais obligé de faire. Bah, j'étais pas dans les premiers, hein, je peux te le dire. Hein. Tac. Ça va en rendre à beaucoup de balles. James, où ça? Non, pas Brookhaven! Non, pas Roblox! Oh putain! Mais qu'est-ce que. Oh putain! Oh putain, mais c'est vraiment un sujet. C'est vraiment le premier sujet dans l'iceberg Roblox, les gars! C'est Brookhaven! Mais j'ai pété mon crâne, mais quoi? Is that a gun cabinet? Ah ouais, bah super, il y a plus. Il y a plus quoi. C'est... Somehow that seems worse. Bah voilà! C'est tout ce que j'attendais, moi! C'est le fusil à pompe en fait, genre il a mis du temps à arriver. Tu vois, dans Resident Evil, il est plus facile à avoir. Là, je me suis dit, j'ai abandonné l'idée. Je me suis dit, allez, de toute façon, on va se balader avec un gun tout le long du jeu. Et juste à la fin, quand on va voir PH, on va devoir le buter avec un lance-roquette ou un truc du genre. Ah ok, on a l'entrée du truc. Oula, c'est grand. Ouh, c'est grand. C'est grand et chiant. Ça a l'air long à visiter. Mais tu sais quoi, on va le visiter. Déjà, pourquoi il est parti à l'hôpital, frérot? Enfin, ça n'a... Allez là. Pourquoi elle dessine des petits lapins, des loups-garous? Laura, wait. Mais regarde, en fait, elle est trop bizarre. Pourquoi elle... Genre, la petite fille, elle a aucun... Ça n'a aucun sens, en fait. Genre, elle... Ah, parce qu'elle pense qu'on est les méchants, ça se trouve, en vrai. Ça se trouve, elle pense qu'on est les méchants et que, genre, on veut... Je sais pas, ça n'avait même pas, en fait. C'est... Ah ouais, elle a fermé la porte à clé, carrément. On va visiter d'abord tout cet étage-là, les gars. Hein. On va faire dans l'ordre. Porte fermée. De toute façon, tu vas voir que toutes les portes vont être fermées. Hein. Ah. Attends, pousse-toi. Ah, le bouton marche pas. Ok, va falloir qu'on remette le courant. Porte fermée. Porte fermée. Bon, au moins comme ça, c'est facile. Au moins comme ça, il n'y a rien qui est ouvert. C'est ça qui est cool. C'est cool, j'ai envie de te dire. Et bah, du coup, on va se barrer. On va aller à la réception. N'oubliez pas que moi, les gars, je fouille tout. Tout sans exception. Donc, ça va peut-être être long, mais... Bah, les couilles de votre avis. Alors... Tiens, c'est quoi ce truc-là? Manque d'appétit, insomnie, perte d'intérêt ou de plaisir, sentiment d'inutilité, diminution des capacités de réflexion ou de concentration. C'est peut-être cette maladie qui a transformé les gens. Bon, mec. De toute façon, on peut tout croire, hein, on peut tout croire. Alors, des petites balles. C'est cool. Des petites balles. Bah non. Ah, attends. Attends, lis le papier. Suite à plusieurs pertes de clés, désormais il faudra mettre dans le casier à la fin de chaque service. Le personnel devra mémoriser la combinaison de cadenas et devra la révéler à personne en dehors des employés autorisés, quelles que soient les circonstances. En cas de problème, contactez l'infirmière en chef dans la salle de soins numéro 3. Donc en gros, il faut aller voir l'infirmière
pour trouver le code pour le casier. Le directeur a demandé les dossiers de 3 patients cruciaux. Vous savez lesquels? Pouvez-vous lui apporter dans son bureau? D'accord, donc on doit aller donc dans le bureau du mec, il y a des patients cruciaux. Ça m'a fait peur, j'ai cru que j'allais déclencher un truc alors que... Tu vois, il n'y a même pas de souffle. Sauvegarde. Par contre là, il faut que je fasse échappe pour faire retour alors que c'est clic droit pour tout. It looks like there is a key in there. No combination though. We should look around. Might be written down somewhere. Attends. Je me suis dit, imagine, on fait un braquage, on arrive à trouver. Du coup. Ah. Balle. Bah non, rien. Dans le jeu, il n'y a pas souvent de porte ouverte, hein. Pourquoi il y a des balles dans un hôpital? On est aux États-Unis d'Amérique. Attends, mais il n'y a rien qui est ouvert, on fait quoi? Bah, peut-être aller au truc du centre. Peut-être. Ah. Nursing training. Vous sentez ou pas, là, les ennemis dans cet hôpital, ça va être des nurses? Je sais pas, je le sens. Je sens que ça va être des infirmières, genre un peu à la... Je sais pas si, pour ceux qui étaient là, un peu à la Dark Deception. Yeah. Ah oui, il y a des clopes. Ah oui, ça fumait dans les shots. Mais frérot, oh, c'est pas des manières. Ouais, j'ai cru qu'on était bloqué, j'allais dire, oula. C'est Maria nous a enfermé dans les shots. En fait, c'est une grosse connasse depuis le début. Et ben, on peut rien faire. J'ai tout fouillé en plus, hein. Alors là, on peut pas fouiller plus. Ah, peut-être que la... Bah non, du coup. Peut-être que la salle d'examen 3, elle est ouverte. Du coup, maintenant. Du coup, on a déclenché la cinématique. Non, c'est le papier d'avant, ça. Non. Ouais, mais... Ah! Équipons-nous du tuyau. T'inquiète, c'était Pyramid Head avec ses poteaux, les nurses. T'inquiète. Tu veux que je te casse la fenêtre pour que tu viennes? Imagine, il y a des bouts de verre. C'est drôle que tu puisses la tuer en vrai. Moi ouais, j'allais dire, frérot, je veux bien que ce soit résistant le placard, mais un bâton en fer. J'ai peur, faut faire gaffe parce qu'ils aiment bien mettre des monstres à des endroits où tu t'y attends vraiment pas dans le jeu. Qu'est-ce que c'est que ce paper? J'ai noté ça de façon à ce que tu puisses t'en souvenir. Une fois à l'accueil, regarde autour de toi et n'oublie pas. Infirmière, médecin, arbre. Donc il faut aller à l'accueil et je pense qu'on aura le code, donc infirmière, médecin, arbre. Le mec a noté, de toute façon, tu sais quoi, j'ai même pas besoin de retenir, le mec note tout. Ah, je me suis dit peut-être on pourrait sortir par là, mais apparemment non, c'était pas dans son objectif. Bon, les screamers ou mob. Oh, putain, elle m'a fait trop peur, j'ai cru que c'était un monstre. Avec sa tête de monstre là. Alors, à l'accueil. Alors, c'est dans l'accueil ou c'est c'est là-dedans. Non, elle est où l'accueil en fait? Ah, bah j'y suis en fait, j'y suis vraiment. Donc, infirmière, médecin, arbre. Wesh. Ah, c'est trop drôle. Infirmière, médecin, arbre.
Il y a rien dans l'accueil. Moi je croyais qu'il allait avoir genre des tableaux et il faudrait compter il y avait combien d'arbres, combien d'infirmières et tout, mais il y a rien en fait. Toi ta gueule toi. Qui est trop chien avec sa lumière. C'est vraiment le genre de truc que je ferais en vrai. Genre tu sais, tu regardes quelqu'un comme ça avec une lumière pour l'éblouir. Non en vrai c'est pas drôle. Du coup, ah ok. Donc attends. C'est les médecins ça. Ouais. Donc infirmière, il y en a combien? Il y en a 7. Médecin 2, donc 7, 2, 4. Il y avait un point blanc, tu l'avais pas regardé. Lequel ou ça? Second floor? Basement. Mais prends toutes les clés, enculé. Donc là, on va devoir aller au basement. Ouh, le meilleur endroit de l'hôpital. Finalement, l'endroit qui ne sert à rien dans un hôpital, hein. Normal, c'est un hôpital. Allons dans le basement. Prenons des balles au cas où nous tombons sur des nurses affamées. Un truc là-dedans, non. Le sous-sol... En vrai, le sous-sol d'un hôpital, ça sert à quoi concrètement? À part pour genre les machines, la gestion et tout. Je suis désolé, moi, je trouve que ça sert à rien. Hein. Y'a même la carte, elle est bizarre. Ouais, putain, arrête de faire peur comme ça. Ça s'est fermé, donc. Fermé. Elle a dit que l'ascenseur, il s'ouvrait, hein. Putain, mais faites pas TP les persos comme ça. What the fuck, ça m'a fait trop peur. Ok, j'ai pas mis fait tes preuves, on va devoir le... Ouais, va falloir le réparer. Quelqu'un a une trousse à... Quelqu'un a une boîte à outils, les gars? Quelqu'un a une perque à... Donc il y a un monstre. Alors, où ça? Mahamar. Fils de pute, j'avais pas vu. Esquive. Esquive. Très fils de pute. C'est quoi? Eh vas-y, utilise le gun. C'est quoi? Plus de vergogne, plus rien. Y'a plus rien maintenant. Maintenant c'est gun into your face, tu vois. T'es sûr y'en a un autre? Ah, je l'ai vu! Je l'avais vu! Mais je l'ai vu en plus! J'ai regardé l'endroit où il était. Vas-y, meurs. Dernière balle. Allez hop. Et ciao. Putain! Je l'ai vu, hein. Mais je l'ai vu, hein. J'ai fait, ouais, c'est sûr, il y en a un là, il y en avait un là, mais j'ai quand même eu peur. Par contre, Maria fait plus peur que les monstres du jeu, hein. C'est horrible. Ah. Salut. Y a rien là. Lui, tu vois, il m'a pas fait peur. Ah, de la gasoline, on va pouvoir se faire un bon festin. C'est trop bizarre. Bon, là, sur le chemin, il y a des mobs qui respawn. Genre là, non. Genre là, non. Genre là, non. Genre là. Mais non, en fait, y'a rien ici. C'est un truc à pousser de manière assez osef. Alors, je suis peut-être débile, hein, mais faut le mettre où, en fait. Tu veux le mettre où, ça? À chaque fois, j'oublie la touche. Les choses qui vont manquer. Eau de Javel, lessive, amidon, drap blanc. La quantité d'eau de Javel utilisée est démentielle. Et pourtant, les draps ne sont plus blancs. Je ne veux rien savoir. Il faut arrêter cela. Ah ouais, les draps, ils sont pas blancs. Oh, ils sont trop pas blancs. Ah, faut peut-être pousser juste en face de nous pour remettre l'étagère en place. Je sais pas, tu veux que ça serve à quoi, mais en tout cas, j'ai pas... Ah, mais peut-être... Putain, mais je suis vraiment débile. Pousse-toi, hein.
galère à passer, frérot. Créature des enfers. Mais quoi? Mais... J'ai vraiment pas visé, hein. Mais quoi? Non, non, il recharge pas. Pas tout de suite. Mais non, mais qu'il est con. Mais putain, mais il est trop con. Mais meurs. Putain, je pue vraiment la merde à tous les jeux. Là, on récupère des balles. On en a pas du tout gâché 5, quoi. Pas du tout. Putain, à chaque fois... En plus, le pire, c'est que j'esquive, hein. Je spam espace à chaque fois que je vois un mob, mais... J'ai l'impression que spammer espace, ça ne sert à rien. De toute façon, elle peut rentrer, donc. Ok, là, c'est quoi? Il y a eu un bruit chez moi. Attendez, je vais voir, j'ai un peu peur quand même. Je suis en calbut, donc je vais me masquer. En fait, je suis dans Silent Hill, les gars. En fait, c'est bon, c'est juste les chats qui ont fait tomber le truc. Attendez, je reviens, je vais rechercher un truc en fait. Ouais, ouais. Alors, tac. Du coup, on reprend. Et donc là, on est en train de mettre la gasoline dans... Je sais pas quoi. Ça fait un bruit de caca, les gars. Qui a zéro année d'âge mental. Pourquoi je fais ça? Alors... Ah, parce qu'il était vide. Et du coup, là, on doit retourner au gène. De toute façon, il faut en faire 5, donc on a intérêt à vite se dépêcher. Donc là, on a la map. Il y a un mob derrière ça. Hein. Bah alors ? Rien ne me surprend. Rien ne me surprend. Ah. Mais comment ça il s'est relevé? Mais c'est pas le même. Oh, fais gaffe, passe pas devant moi quand je suis en train de tirer. Ah, mais il s'est relevé, mais quoi? Putain, heureusement qu'on en a du soin. Mais quel connard, pourquoi il s'est relevé comme ça? On peut toujours pas l'utiliser, hein, j'imagine. Là, c'est toujours fermé. Là... Ah, déjà, on a loupé ça. Là, au bout, il y a le gène. Et on met la gasoline dedans. Oh.
Comment il verse là? Ça verse là? Mais... il a même pas retourné le... Ok, mob, où ça? Derrière. Non, ou derrière la porte, ça c'est sûr, regarde. C'est quoi, vas-y, je l'allume au pire. Ah, et donc là, on va pouvoir prendre le l'ascenseur. Ça va, toi? T'es mort? Si, il est mort. Il est clairement mort. Oh, fais gaffe! Il était pas mort, en fait. Ah, la porte s'est ouverte. Ok, cool. Il me faut le gros bâton. Voilà. Et après, bah, y a plus rien, on peut se casser. Du coup, on va prendre l'ascenseur ascenseuresque. On va le prendre à sens unique également. Donc là, on est au moins 1. On peut faire l'alarme? Non. Ça n'aurait servi à rien. Oh, c'est bon. Même plus rigoler. Toi, t'as bien essayé de me... Voilà. Même plus de rigolade. Ah, du coup, toutes les portes sont ouvertes. Ah, mais ça marche par système... Ah non, pas du tout. Toutes les... Ah, mais non, mais ça, c'était déjà ouvert. Je suis vraiment débile. Par contre, il fait nuit. Voilà. Information pas agréable à savoir. Relativement casse-couille, on va pas se mentir. J'ai regardé, mais du coup... Bah, du coup, en fait, ça n'a... Ah, il a quand même noté. C'est bien ça qu'il note les trucs et tout pour les mecs cons comme moi. Il a même noté infirmière, médecin, un truc. Dans le doute. Ça, c'était ouvert déjà. Mais ça, là... On n'a pas eu de clé de toute façon, donc non, c'est... Voilà, ouais. J'ai failli tirer, hein. Et du coup, on va aller au premier, du coup. Parce que ici, en vrai, on a rien à faire, donc... On va prendre l'ascenseur à sens unique, et on va aller... Enfin, au deuxième. Pourquoi il y a un effet de... Ah, regardez, quand j'éclaire, elle s'écarte de la zone que j'ai... Ah non. Ok, cinématique. La petite fille s'est barrée, c'est ça le délire? Ouais, en plus il pleut. Non, qu'est-ce qui... Pourquoi elle est comme ça? Maria? Qu'est-ce qu'elle a cette grognasse là? Pourquoi elle chiale? Ah, elle se sent pas bien. Hey. You okay? I'm sorry. That's fine. What's going on? Are you hurt? It's nothing. Probably just a hangover. Comment ça, une gueule de bois? Elle était bourrée? Yeah. Ouais, qui a pas compris. Ok. Mm. So comfy. Bah, peut-être. I'll be back as soon as I can. En fait, elle était bourrée de fou, c'est pour ça, James. En fait.
wanted to ask you. What if you can't find Mary? What will you do? Il y en a, ils se sont lâchés sur le matelas. Quoi. Really on chie dessus. Get back soon, okay? D'accord, donc on va come back soon, y a pas de problème. Alors, occupez-vous de l'essentiel et chemin géré le reste. Fermé. Ouvert avec une sauvegarde. Ça c'est très dangereux les gars, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est bientôt mort. Ça on prend. On sort notre pistolet parce qu'il va y avoir un mob. Dans très peu de temps. On déverrouille comme ça on pourra passer par l'escalier si jamais on se fait poursuivre. Le C2. Et pas le C2 de SES pour ceux qui ont la ref, ceux qui ont fait SEF, SES savent de quoi je veux parler. Les fameuses C2. Ah, j'ai pas vu ça. Fermé. Oh, putain. Du coup. Alors, en fait, il n'y a rien d'autre. Si, il y a là-haut. Non, ça, on a déjà vu. Ah. Oula, c'est quoi ce truc? J'en étais sûr. Salut, Ita. Bye. C'est qu'elles sont résistantes, hein. Wesh, quoi? Meurs, non? Ah, voilà. Ouah, le corps médical, il est résistant, hein. C'est quoi ce bordel? Après, est-ce que si on tient dans la tête, ça va plus vite? Je pense que ça va plus vite. Le mec ne s'étonne pas, ne dit pas, bizarre, ils sont... C'est des infirmières. Ok, du soin là-dedans. Putain, le soin, on en a beaucoup, là. Hein. Du coup, je me sens moins en danger. un ascenseur bizarre qui ne s'ouvre pas. Non, je me méfie maintenant, je me méfie absolument de tout. Ça, j'aimerais bien savoir ce que ça veut dire, ça. Hein. Elle a de bons anticorps, mais très clairement. Mais, Kéké, genre, tu sais ce que ça veut dire quand ça fait des petits flashs, enfin, des petits trucs comme ça avec une petite musique, là? Parce que toi, t'as regardé le jeu, tu t'es spoil. Mais moi, j'ai toujours pas compris ce que ça voulait dire, en fait. Elle est où Maria? Elle est au C5. Ah, bureau du directeur, il y a un truc. Je sais pas, je sais juste les boss en fait. Ah. Wesh, il est bizarre le patron là. Ah, il faut qu'il mette des bandages. Il en faut 3. Quand il faut trouver les trois trucs, enfin les trois pansements sur les trois. D'accord, le patron il avait une voix de fumeur, hein, je peux t'en assurer. Donc là, ouais, d'accord, alors c'est. Patient numéro 90. Chambre D1. D'accord. Patient numéro 2. Le mec note, ok. Patient numéro 1. Patient numéro 130. Anxiété, recommandation. Dosage supérieur de médicaments. Ne pas laisser sans surveillance à transférer pour des mesures de surveillance. D'accord.
Et le patient numéro 3. Patient numéro 50. Recommandation pour suivre la thérapie actuelle. Qu'est-ce que j'ai putain de raté? Et l'eau a un effet apaisant, obsolète. Ah. Bon bah. Super, hein, super, super. Donc en gros, des informations bien utiles finalement. Là, tac, tac. Et voilà. Ah, là, il y a une clé. À noter, à noter. Donc on va aller au truc là, aux espèces de rideaux. Le fameux coffre-fort du directeur. Avec des symboles assez symboliques. Assez sournois, je dirais même. Déjà, il y en manque un. Déjà, on peut pas le faire. Et est-ce que tu peux les changer, ces symboles de neuil? Ah non, ok, en gros, c'est... D'accord, en gros, c'est une combinaison de trucs comme ça, d'accord. Oula. Je pense qu'il y en aura deux par patient. Il faudra faire 1, 2, 3, etc. Ok, d'accord. Ok. Donc là, les gars, on va repasser pour... À mon avis, ça va être une petite heure de gameplay où on va... On va être, à mon avis, dans des bâtiments assez lugubres. Boum, pleine tête. Boum, pleine tête. Boum, pleine tête. Boum, pleine tête. Ça marche pas, hein. Ok. Si, j'ai l'impression que dans la tête, tu prends moins de balles, mais je pense que c'est juste une impression. Hein. Enfin, tu perds moins de balles, mais c'est juste une impression. Putain, résistantes les infirmières, hein. Je pense qu'elles se sont surmédicamentées. Maintenant, c'est du Thanos, frérot. Elles ont fait projet Spider-Man et bah, ça a fonctionné, hein. Ça a apporté ses fruits, j'ai envie de te dire. Alors, du petit soin, ça serait cool. Bah non, il n'y a rien, évidemment. Des petites balles, ça, c'est agréable. Une petite porte qu'on peut ouvrir. Ok, bon, on va pas rentrer tout de suite. Hein. D'abord, on va voir s'il y a d'autres trucs. Bon, il n'y a rien, on peut rentrer finalement. Et ça nous fait revenir ici. Là, on peut y aller. Je crois que j'étais déjà venu ici. Ouais, donc on va se barrer finalement. Fermé. 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 Putain, il y en a des portes fermées. Hein. Fermé. Ouvert et ouvert, je crois. Non, fermé. Et là, c'est ouvert. Des balles de pompe. D'ailleurs, c'est con, on a le putain de pompe, hein. Mais... J'ai vraiment... En fait, le jeu, il me donne envie de comprendre le lore, en fait. Genre, les petits indices comme ça, genre, ça veut dire quoi, ça? Genre, je pense, en fait, ça, c'est des trucs, genre, que t'interprètes, tu vois, mais genre, ça va pas être dit... ça va pas être dit explicitement, tu vois. C'est des trucs en mode... faut que t'interprètes. Où tu dises, ah, ok, là, ça veut dire que, du coup, Marc, il a été enfermé dans un asile, ou, tu sais, enfin, je sais pas. Mais c'est pas Marc, oh. Il y a un monstre derrière. Non. Putain, let's go. C'est pas Marc, c'est James, hein, en fait. Hein. Appuyez sur 1 pour équiper. Quoi, pour vous équiper du pistolet? Ah, voilà. Donc 2, c'est fusil à pompe et 1, c'est pistolet. Ok, d'accord. À noter, à noter. Je pense que c'est les patients enchaînés. Ils sont violents. Je suis deg, le boss que j'attends, il est dans longtemps. Moi, pour moi, le seul boss, là, c'est Pyramid Head, les gars. Pyramid Head. Aiguille tordue, ça va nous aider à déverrouiller une porte. Un peu de soin ici. De toute façon, en vrai, là, s'il y a un boss, je suis prêt. Hein. Fusil à pompe. Into, on a combien de soins en tout? Je crois on a genre une bonne quinzaine. Hein. Ah, tiens, on va pouvoir essayer le pompe. Peut-être le charger avant. Vas-y, approche. Est-ce qu'il est vraiment fort? Est-ce que c'est un pompe présenté ville tiers ou est-ce qu'il pue la merde? Oh la vache. Quoi? On va la finir au pistolet. Hein. Esquive.
Oh putain! Oh putain! Oh putain! Donc un coup de pompe, ça les tue pas? J'allais dire, oh putain, ça a l'air d'être trop fort le pompe. En fait, non. Tu penses c'est quoi, on va faire la tech de une balle de pompe et après on finit au flingue. Ou au bâton, tu sais quoi, même au bâton pour économiser encore plus, tu vois. Alors elle est où l'infirmière là? Parce que là, il y a de la radio, c'est-à-dire qu'il y a une infirmière. L'escalier... Non, je sais pas. Là, regarde, on va pouvoir déverrouiller avec l'aiguille, c'est sûr. Ah non, il y a déjà la clé, bon. Ah oui, on revient là. On revient à l'ascenseur cassé du coup. Là, on peut ouvrir ou pas? Non. On va faire un petit tour de carte. Putain, on en a vu des trucs. Donc on a à peu près tout fouillé. On n'a pas fouillé en haut, salle des infirmières. Bon, c'est sûr, il y a une infirmière du coup, hein, comme son nom l'indique finalement. Oula, ouais. Il va y en avoir. Parfois ils nous font des pranks, tu sais. La question c'est de savoir où elle est cette putain d'infirmière. Madame, c'est pas autorisé. Le bâton les gars, le bâton, n'oubliez pas, le bâton sacré à utiliser en cas d'extrême recul. Ouais, je pense que c'est le must de faire ça. Genre de coup de pompe et après tu finis au bâton. Parce que genre le bâton c'est infini tu vois donc Oh vas-y, bah ouais elle a bouffé le soin en attendant. Par contre c'est moi, regardez quand on regarde leur visage on dirait ils ont... Genre c'est buggé en fait, regardez. Ah mais en fait c'est parce que... En fait si elles ont un visage mais c'est juste qu'il est, il est dégommé quoi. Ah la chaussure, c'est bugué, le jeu est trop mal fait. Mec chiant. Alors. Donc c'était sympa, salle des infirmières, c'était marrant. Salle de soins, bah on va aller au truc qui est entouré, en vrai on va pas se prendre la tête. Hein. Est-ce que le boss que t'attends dans longtemps c'est Pyramid Head déjà? Parce que pour moi pour l'instant, le seul boss que je connais de Silent Hill c'est Pyramid Head. Hein. Il y a une infirmière. Équipation du pompe. Non, j'avais cru entendre des gargouillements de monstres, genre. Alors ça, faut le mettre où? Là-haut. Avant, je vais fouiller la zone parce que c'est sûr, il y a un truc. Il y a un mob qui traîne ou... Non, je pense pas. Maria, faut pas lui dire hein, qu'on a trouvé des petites infirmières assez lugubres, hein, parce que sinon... Ouh, quoi, c'est quoi ça? Où ça? Qu'est-ce qui fait ce bruit de connard là? Ah, une infirmière! Une infirmière qui est rentrée de manière exécrable par là, je crois. Bon, bah c'est pas grave. Hein. Tant qu'on y est, on va juste bouger le truc. Est-ce qu'on peut... Tac, voilà. Ensuite, tac. Non. Ok. Mais dans le 1 et le 2, on suit la même histoire ou c'est différent? Je crois que c'est dans la même ville, mais c'est pas les mêmes personnages. Je crois que le 1... Alors, je dis ça, j'en sais rien. Mais je pense que le 1, c'est Cheryl, Liliana. Tu vois, dans des BD, le perso Cheryl. Bah, je pense que c'est elle, du coup. Alors, d'ailleurs, c'est quoi cette manie de faire des remakes en commençant par le 2 hein? Resident Evil, ils ont fait pareil, tu sais. Je pense que c'est parce que c'est le plus apprécié. Ils ont amené la fille aujourd'hui. La pauvre, elle n'a point dit un mot. Qui parle de manière exécrablement exacte. Elle reste assise, la tête dans les mains, à pleurer en tremblant. Je l'ai placée dans le lit du coin. Ça semble l'avoir calmée un peu. Je crois qu'elle m'a même souri. Tac. D'accord, donc la petite fille assez lugubre. Donc là, il y a un monstre, hein. On a entendu la radio siffloter, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un monstre juste ici. Bah non, c'est des balles, donc c'est un peu mieux qu'un monstre en vrai. Moi ça me plaît. Alors,
Où ça, 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 derrière, où ça? Alors je crois qu'elle était là, je crois qu'elle est passée là, mais vu que j'ai tourné la caméra comme un mongol, j'ai pas vu. Alors. Enfin, le mec y va, hein. C'est vrai que c'est une bonne idée. Eh, mais il y va vraiment. C'est vraiment un foufou, Marc, hein. Mais c'est pas Marc, c'est James, faut que j'arrête. Il va casser. Ouais, c'était sûr. Ah ouais, la bonne chance pour remonter, hein. C'est bien fait les effets où on dirait qu'il a une tête zoomée, genre. Les effets de curvature d'image. C'est de faire des QTE dans là à ce moment-là, non? C'est le casier. Il avait de la chance, il avait vraiment un mur juste à l'endroit où il était. Hein. Vraiment de la chance, ce petit Sunderland. D'ailleurs, tu sais qu'il y a un skin de lui, il y en a sur DBD, de James Sunderland. C'est un skin légendaire sur Cheryl, je crois. Il y a même un skin de Maria. Tu sais que j'hésitais à le prendre, le skin de Maria, en vrai. Parce qu'au départ, j'hésitais à Prestige... À Prestige sans Cheryl. Mais en fait, elle avait pas de skin ouf à part celui de Maria, parce que celui de Maria coûte 10 balles, quoi. Pourquoi ils ne m'ont pas aidé? Pourquoi ils m'ont laissé ici avec lui? Et vous avez vu, elle sait traduire. Elle est même pas appuyée sur R pour voir la traduction. Encore un souvenir et tout. Il y a beaucoup de souvenirs dans cet hôpital, le mec, hein. J'ai l'impression qu'il a fait un petit séjour. Mais ça se trouve, mais je te dis, ça se trouve, en fait, c'est juste un foufou, hein. Ok. Ah, mais c'est le truc... Oula. C'est un des bracelets qu'il faut pour le... Ouais, y'a un monstre. Ah, putain de... Merde, dégage! T'en veux encore? Il en veut encore, il en veut encore. C'est bon? T'en veux plus ou t'en veux encore? Il en veut plus, il en veut plus. Je crois qu'ils sont morts quand ils commencent à saigner comme ça. Putain, le bâtard, il m'a fait trop peur. Putain, en fait, dans ce jeu, tu vois, c'est les petits mobs qui te font le plus peur, genre. C'est pas les boss ou quoi. C'est vraiment les petits fils d'up. Sauvegardons vite fait. Voilà. Putain, oui. Du coup. Ah oui, du coup, on est revenu là. Ok. Et on a quoi comme clé? Ah, déjà, ça, on peut combiner, hein. Putain, j'ai 10 soins, j'ai 18 soins. Putain, je suis bien. On va essayer de déverrouiller du coup la porte là. Genre ça. Non, pas ça. Au bout là-haut. On va essayer de déverrouiller avec le truc là. On peut pas, super. Du coup, on peut faire quoi d'autre? Est-ce que les portes, genre comme ça là. En fait, genre, c'est quoi la différence entre le gribouillage comme ça et juste il a surligné? Parce que j'ai l'impression qu'en fait, quand il surligne, c'est-à-dire que ça peut s'ouvrir au bout d'un moment avec le temps ou avec un truc, tu vois. Mais. Bah, en fait. Pas l'impression en fait. Bon, c'est pas la façon, on a rien à faire ici, on va remonter. On va aller au bureau du doc pour mettre le bracelet, peut-être que ça va ouvrir une porte. Ça c'était fermé, on est d'accord. C'est toujours fermé d'ailleurs.
Est-ce que cet ascenseur il marche du coup? Ouais, il arrive. Au bout, c'est toujours barricadé. Ouais. Ouais, et puis pas moyen d'ouvrir en plus. Ok. Du coup, on va aller au deuxième. Alors, du coup, on est de retour ici. Ah, c'est le C1 qu'il faut qu'on aille. C'est vrai que le C1, on n'y est toujours pas allé. C'est putain de vrai. Alors, par contre, vous m'excusez parce que j'ai super faim, donc je vais manger un peu. Hein. Vous m'excusez, hein, mais vraiment, vous m'excusez. En plus, c'est pas de carbo, donc... En fait, t'es pas de carbo. Genre, je préfère que ce soit ma mère qui les fasse, parce que, en fait, quand c'est moi, ça a pas le même goût et c'est moins bon tout le temps. Du coup, bah, ça m'énerve, en fait, parce que, tu sais... les pâtes carbo, j'aime bien que ce soit le prime, tu vois, quand je les mange. Ok, une autre infirmière, tu sais quoi. Ouh. Le bâton... Où ça, y en a une autre? Ah oui, y en a une autre. Là, pour le coup, on va prendre le pont. Vas-y, on va attendre qu'elle attaque d'abord. Elle va réattaquer, non? Non. Ok, tac. Le bâton. Elle saigne ou pas, là? Ouais, c'est bon. Ok, ouais, je pense que c'est le prime contre les infirmières. Genre, en fait, le pont, ça met à terre. Genre, ça stun en même temps. Et ça, c'est bien. Là, il y a une entrée qu'on n'a pas été voir. On est où, en fait, là? Le L3, on n'y a pas été, du coup. Attendez, déjà, je vais au mauvais endroit. Déjà, on va faire ce qu'on voulait faire de base, c'est-à-dire se casser 10. Oula, il y a un code, ok. Ah. Le code est celui qu'on a choisi lors de la réunion d'hier dans la salle des médecins. Comme je disais, interdiction de le noter sur un objet ou un bout de papier. Soyez responsables, les amis. D'accord, donc ça doit certainement être dans la salle des médecins, le code, ok. C'est trop bon. Ah mais oui, hein, très clairement. C'est pas là. Je suis complètement perdu. Mais wesh, mais où est-ce que je suis allé? Où est-ce que je suis allé? C'est pas du tout là. Ah oui, c'est là. Après, c'est ici. Non, c'est... Je suis bourré ou quoi? Ouais, de toute façon, au pire, c'est juste on va tout droit là. Et après on tourne là et c'est bon, on y est. Moi j'ai l'impression, frérot, je suis bourré. Wesh, elle a encore l'arme à la main, les yeux au ciel carrément. Donc là on va mettre le bracelet au mec, déjà. Voilà. Alors j'ai pas l'impression que ça ait changé grand chose à la vie du jeu par contre. Hein. Ah oui, attends, il y a des trucs notés dessus, attends. Ça se trouve il y a un peu du... Déjà, tu peux le tourner, ça c'est. 4-5. Déjà, il y a écrit 4-5. Bon, de toute façon, en vrai, ça sert à rien pour le moment parce qu'on en a que 2. Alors, voilà, donc le C1 juste là. Et. Hop, les. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a des crayons. Le dessin du. Enfin. Ça a l'inutile, hein, du coup, hein. Ah non. Il y a un truc caché derrière le truc. Ah. Tiens, tant que c'est en train...
D'accord, donc ok, donc elle s'est sentie observée. Mais il m'a emboîté dans le pas, il continuait d'observer, il fallait que ça sorte, je suis à nouveau vide, à l'aise et vide. On peut retourner dans la piscine. Bah déjà, enfin... C'est sûr que si tu mets un œil... Ah, mais en fait, c'est pour que le médecin, il l'observe, non? Je sais pas. Et en fait, elle a mis un œil pour signifier, ouais, je sais que tu m'observes, bâtard, je dessine un œil où t'es, quoi. Bon, alors, infirmière meurtrière qui va me sauter dessus. Juste un au cas où. Vous pouvez être sûr. Il saigne ou pas? Ouais, c'est bon. Ok, petit soin. Ah bah non, on ira se faire foutre, hein, plutôt. Là, on peut ressortir par... Quoi, il est pas mort? Ah non, c'est juste, il y a un autre mob. Peut-être dans le casier, il y a un truc, ouais. Petite balle, ici. Donc là, il y a un mob. Le tout, c'est de savoir où. Alors lui, pour le coup... On va le fumer. On va le fumer au bâton. Ouh putain. Alors là par contre c'est chaud quand il y en a deux. C'est quoi? Déjà bâton, on va retourner à l'ancienne, c'est quoi? Ah le bâtard. Il a esquivé, j'esquive aussi. Allez. Ok, bâton. Tac et tac. C'est bon. Le mec là-bas, dans le doute, coup de bâton pour être sûr. Mais putain. Quand ils sont deux, ça me fait un peu stresser quand même. Ok, des balles de pompe, ça c'est intéressant. On recharge. Là, on reprend le gros bâton. Ouais, je mets. Voilà, putain. Il a tapé à côté le frérot. Là on peut pas sortir, ok. On est où là en fait? On est dans le L2. Le L2 qui ne sert à rien apparemment. Donc on ressort là. Donc là il y a Maria qui est juste à côté. L'Ave Maria, j'ai envie de te dire. Nul à chier, nul à chier. Clavier à cordes, quoi? Comment ça clavier à cordes? Qu'est-ce qu'il appelle clavier à cordes ce Neuil? Ah oui c'est ça. Ça, je pense que ça a à voir avec le code qu'on fait avec la main, tu vois. Ok, et du coup, bah, où est-ce qu'on doit aller? Ah, on doit aller à la porte du bureau. Donc la porte, donc c'est là-haut. Donc c'est-à-dire là, je dois traverser ce long couloir. Pourquoi je l'ai pas fait avant? En plus, c'est vraiment simple, quoi. Donc là, tac. Là, on va ici. Et là, la clé... Pourquoi il est entouré du coup? On n'est pas allé aux toilettes encore. Les toilettes là où il y a Maria, on n'y est pas allé. Et après, sinon, on a fouillé tout en fait, je comprends pas. On a fait tout. On a fait le C1, on a fait le C2. Je pense qu'il faut... On va aller faire un tour aux toilettes. Et si c'est pas aux toilettes, bah on va se faire foutre, les gars. Ah, pourquoi il regarde là? Non, c'est parce qu'il y a ça. Bah tu attends qu'on y est. Tac. Voilà. Ok. Alors. Du coup, on se casse. Ouais, on va aller tout droit. Bah c'est tout droit, en fait. Est-ce que ça, c'est ouvert déjà? Je me souviens plus. Non, c'était pas ouvert. Maintenant, c'est ouvert. Tac, le C2, on y a été, hein. Je peux pas te souvenir, mais ouais, on y a été apparemment. Alors, donc là, les chiottes. Ça, c'est les chiottes, on est d'accord. Donc, les chiottes, on n'y est pas allé. Alors, est-ce qu'il y a des trucs à terre? Il y a des balles, ok. Je pense qu'il va rien avoir dans les chiottes, hein, mais... C'est le seul endroit qu'on n'a pas... Ah ouais, putain, il a volé les chiottes, quoi, l'enfoiré. Ouais, bah, il n'y a rien dans les chiottes. La théorie était juste, les gars, il n'y a rien dans les chiottes. Par contre, il y a un monstre.
On va aller voir Maria, peut-être que là du coup c'est le moment d'aller la voir. Je sais pas, il se passe rien. Peut-être que c'est le moment. Ouais, c'était le moment d'aller la voir. Hey. Any luck finding Laura? Not yet. How are you holding up? I'll be okay. Just need a bit more rest. James. Thanks for checking up on me. It's very sweet of you. Yeah. Get some rest. I'll be back soon. Ça se trouve, il était bourré en fait, en vrai. Hein. Ok, donc je pense que non, en fait, il fallait pas aller la voir, je pense. Je pense que là, ça a déclenché une cinématique parce que c'est quand tu viens la voir une fois, genre elle te fait un truc mignon et tout. Du coup, où est-ce que j'ai loupé un truc en fait, du coup là? Parce que clavier à cordes. Ah, clavier à code, pas clavier à cordes. Qu'est-ce que je raconte moi? Clavier à code, du coup, on a rien encore. Est-ce que. En bas, il y a quelque chose là. Ah oui, voilà, bah oui. Bah, du coup, c'est là qu'on doit aller. Mais en fait, comment on y va du coup? Parce qu'on a plusieurs trucs. On a salle des médecins aussi à aller checker parce qu'il y a le code. Et ouais, du coup, on doit aller piscine et salle des médecins. Donc en fait, comment on y va? Ah bah, l'autre escalier. Bah oui, l'autre escalier. Par contre, comment on y accède à l'autre escalier? Parce que là, j'ai fermé la carte, mais. Ok, donc c'est tout droit. Tac. Ouais, donc on va prendre l'autre escalier. Bah oui, c'est débile en vrai. Je suis pas encore passé par là en plus, c'est vrai. J'ai pas encore pris cet escalier là. Celui-là. Je l'ai pas encore pris pour descendre. Tac, on descend tranquillement. Ah, des balles. Prends. Ah bah, je comprends pourquoi je l'ai pas pris, je pouvais juste pas passer en fait. Comment je fais du coup? Parce que après, je peux rien faire, c'est bloqué de partout. Je fais comment en fait? Parce que l'ascenseur. L'ascenseur, il est cassé, celui-là. Celui-là, là, il est cassé. Voilà, à mon avis, inutilisable. Donc, qu'est-ce que je fais? Comment je descends? Yeah. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Hein? Pourquoi? Ah, je suis pas allé au premier en fait. Enfin, je suis pas allé au deuxième encore. Le deuxième, il est accessible que. Ok, bah du coup en fait, j'étais au bon endroit en fait, c'est juste qu'il fallait pas que je descende, il fallait que je monte. Donc attends, tac. Et là il faut que je monte en fait. Par contre les pâtes carbo c'est vraiment insane. Hein. Ou alors la petite Laura, elle était internée dans cet hôpital en fait. Et c'est elle la petite fille qu'ils ont... Pas ouf. Vraiment mid-tier là, ce qui est en train de se passer là. Les petites chanteuses là comme ça, on ira voir ça plus tard. D'abord on va fouiller pour prendre des balles parce que... Je me sens pas spécialement à l'aise. Coucou médecin. Le gros bâton. C'est bon ? Du coup, tac. Oh, y'a ta pote qui arrive. Incroyable. Le gros bâton. C'est bon? Encore un petit au cas où. C'est bon.
Du coup, tac, laisse-moi prendre mes balles, du coup, saloperie. Et du soin, non? Peut-être là-dedans, ouais. Non, rien du tout. Eh ben, on peut se barrer en paix. Enfin, en paix, non. On peut se barrer. Ici, peut-être des balles. Ouais. Là, il y a une sauvegarde ici. Bah oui, c'est normal, c'est là où il y a la petite fille qui chante, donc forcément qu'il y a une sauvegarde. Ça, on ira voir après. Voilà. Là, c'est l'escalier qui monte sur le toit, je suppose. Donc, on va pas y aller tout de suite aussi. On va d'abord faire cet étage. Hein. On va pas s'en mêler les pinceaux. Ensuite, là. Là, il y a un truc écrit. Jour 1, transfert pour observation, malnutrition, etc. Refuse la nourriture solide, sonde astrogastrique, nanana. Bain et alimentation sans contrainte. Préparer la salle de soins à cet effet. Et jour 4, quelque chose ne tourne et après ça a été... C'est pas eu le temps de finir. Donc il a écrit je pense l'endroit de la salle de soins. Et de toute façon il n'y a rien d'autre. Ah peut-être... Ah c'est quoi ça? Ah c'est... Putain je crois que c'était un taser, j'allais dire putain incroyable c'est un taser. Mais non non on va se faire foutre, c'est juste un truc pour redémarrer le courant, ce qui ne sert strictement à rien. C'est pas grave, on peut pas passer, tac, on détient un gros bâton. Boum, on passe. Là. Oh, clé de quoi? Aucune idée de The Winner Guard, je sais pas. Certainement un endroit de con qu'on n'a pas encore accès. Il y a certainement une infirmière ici, non? Je sais pas, non. Là, le paper avec écrit Docteur Andrews, la fourrière radiographique, vous souhaitiez. Cependant, il semble que le dossier soit un complexe. On aura quelqu'un au plus vite. Prévenez-moi quand vous. Ok, d'accord. Donc, ouais, ça sert pas à grand chose. Ah! La radio du coup. Ça m'a l'air... Ça m'a l'air normal mais apparemment elle a pas... Ah si non, il y a deux trucs là! C'est normal les deux trucs en métal là sur la radio? Bah oui, je pense qu'elle a gribouillé. Je sais pas. Bon, ça m'a l'air normal la radio pourtant. Ah pareil, ils ont entouré un truc. Ah, on doit représenter la radio, genre. Attends. Faire pivoter, comment tu fais? Comme ça, du coup. Je pense que c'est ça. Ensuite, ça. Je pense que c'est... Comme ça. Et, du coup, ça. L'autre truc qu'on a. Voilà. Là, tac. Et ça. Tourner, tourner, tourner. Dans le vide, vide. Non, je rigole. Et ça. Ça, c'est comme ça. Ah, donc on a trouvé 4. Ok, donc il faut trouver les autres radios. Donc là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien non plus. Ah, j'ai bien aimé cette énigme avec les radios. Peut-être parce que je l'ai fait rapidement pour une fois. du coup, du soin. On a combien de soins? Putain, on en a 20. Là, je peux affronter 20 PH sans ne serait-ce qu'avoir mes couilles qui tremblent, hein, vraiment. Du coup là je peux me barrer, y'a rien. On peut déverrouiller ça. Là. Ah bah c'est peut-être ça le code. C'est peut-être ça le code. Du coup, de toute façon ici on a tout fait en vrai hein. Ouais, casier à code. Là y'a l'énigme. Salle d'examen, salle de radiographie, appareil de radiologie. Et clavier à code. Ouais, bah du coup on va se barrer, on va aller là où il y a la... Où il y a la meuf qui chante. Hey. Oh, bah elle est là. Are you okay? Go away. Don't be afraid. I just want to talk.
Comment elle est passée de l'autre côté, elle? Mais je pense, honnêtement, c'est un fantôme, hein, en vrai. Hein. Moi, ça m'étonnerait même pas. On va monter en haut. Il y a un truc. Non. Ah, clé cour intérieure. Ok, donc il faut qu'on descende en bas. Où est l'escalier? Il est là. Putain, j'ai capté qu'on avait un truc important là. Tac. Je pense que c'est un des rares jeux où j'ai pas envie d'arrêter de jouer, tu sais. Genre là, je pourrais limite passer la soirée dessus, genre juste pour le finir en full tryhard, tu vois. Et donc c'est là. Et là, c'est cette porte qu'on va enfin pouvoir... Non, c'est pas là, attends, c'est pas du tout là, attends, c'est où? Là, je suis pas au bon étage, en fait, encore. Faut que je descende encore. Mais là, vu que je peux pas descendre, on va descendre... Ah, il y a un monstre. Je pense qu'il y a un monstre là, mais vu qu'on n'a pas accès, c'est bon. Là, c'est là où il y a Maria, je crois. On va prendre l'ascenseur et on va descendre au rez-de-chaussée. C'est là, je crois. C'est là-bas, je crois. Ouais. On va pas aller la fight tout de suite. Putain de merde! Et putain, mais qu'est-ce que je fais? Prends le gros bâton! Wesh, mais et ça enchaîne! What? Faut que je me soigne, faut que je me soigne. Wow, il m'a enculé lui. Je sais pourquoi il a enchaîné comme ça. Ok, de autres photos. 18. Putain, elle m'a bien enculé. L'infirmière, elle va arriver. Ouais, vas-y, entre, fais-toi plaisir, j'ai le pompe qui t'attend. Hein. En fait, ce qui vient, c'est qu'elle est juste devant la porte, donc je vais me prendre un coup perdu, tu vas voir. Ah non, elle est là encore. Vous êtes full buggé, madame, hein. Oh non, il y a sa pote, je l'ai pas vu. Le gros bâton. Salut, madame. Esquive. Du coup, on va le faire au flingue. Esquive. Wesh! C'est bon. Putain, là, je suis en train de me relâcher, là. Je crois que j'ai trop la confiance parce que j'ai des soins, mais faut que je fasse attention, là. Ok, là, on va pouvoir enfin découvrir ce qui se cache derrière cette merde. Bête de la merde, hein, du coup. Tiens, encore une infirmière? J'ai plus de balles dans le pompe, on est d'accord? Non, super. Bon, on va la faire au flingue. Derrière. C'est mieux en 3 balles, je crois. Hein. 4 balles. Ok, tac. Faut que je fasse gaffe, hein. J'ai plus de balles en fait là. Genre, on en drop souvent, mais si on les drop par quantité de 1, 2, du coup ça part vite en vrai. Fermé. Wesh, mais il y en a partout en fait. Là, je peux déverrouiller, ça c'est bien. Voilà. Les infirmières en vrai au corps à corps, je pense que j'assumerai pas donc. Vas-y, attaque. Wesh, mais j'ai esquivé. Mais wesh! Ah ouais, ça m'enchaîne en plus. Crève. Ah ouais, non, là faut que je fasse gaffe là. Tu sais quoi? Eh, à la guerre comme à la guerre, je reprends mon gros bâton. Eh, vas-y, c'est bon.
À la guerre comme à la guerre, les gars. De toute façon, on va faire RP français. On va faire RP, on n'a pas d'armes à feu. RP, RP bâton only, tu vois. En plus, ça, le jeu, il est pas si dur, en vrai. Ah. On peut écraser ces petites bestioles. Oh, le monstre. Donc ça, c'est pour supprimer les insectes. Gros bâton. Je vais la faire au gros bâton. Wesh. Wesh. Qu'est-ce qu'elle fait? Wesh, mais gros, mais ils sont trop forts. En fait, ouais, corps à corps, c'est trop dur contre eux. Hein. Ok, c'est bon. Ah ouais, corps à corps contre eux, frérot, c'est dur de baiser, hein. Ouah, wow, je viens d'user... Je viens d'user 3 soins, là, quasiment en une seconde. Ah, les créatures de l'enfer sont parties. Ouah wow. Eh, ça se corse, là, hein. En plus, j'ai plus de balles, j'ai plus rien, là, je vais devoir les... Ouais, mais en fait, là, j'ai plus rien, je peux pas la fight, en fait, elle. Ah si, en soi, je peux avec un flingue, quoi, mais... Tu vois, j'ai la fight au flingue, en vrai. J'ai 10 balles. Parce qu'en fait, au corps à corps, c'est trop dur. Genre, il y a trop de possibilités que je me fasse enculer, genre. Ah, putain, je l'ai pas vu, lui. Et l'autre, il m'attaque, en plus. Esquive, esquive, esquive. Ah bah ouais, bah ouais, bah ouais, bah ouais, mais aussi frère, je fais quoi? Ok, c'est bon, elle est morte. Maintenant, gros bâton. Ils sont mignons, les cafards. Mais là, frérot, ça devient dur, hein, Iliana, tu te rends pas compte, hein. Genre, là, jusqu'à présent, elle était en mode, ah, facile le jeu, cool et tout. Bon, eux, en vrai, avec le gros bâton, c'est efficace, mais... Putain, je suis en train de me soigner toutes les secondes, là. J'étais à 20 soins, je suis plus qu'à 14. Ok, on a re des balles de pont, ça c'est cool. On en a eu deux en plus. Ça, contre les infirmières, c'est broken. Hein. Infirmière, c'est balles de pompe, bâton. C'est très simple, y a pas beaucoup d'autres choix en vrai. Ensuite, là, petite sauvegarde, ça c'est cool. La tête qu'il a quand il regarde le truc rouge. Et comme ça. Il dirait un putain d'abruti. Ah mais on est revenu là en fait. Ah oui, sauf que là du coup on a accès à ici, ce qu'on n'avait pas avant. Est-ce qu'il y a des balles par hasard? Genre des petites balles de n'importe quoi, des trucs sympas, des trucs... Là il faudrait qu'on aille à la piscine du coup, alors on est où là? On n'a pas été au débarras ni aux toilettes. Donc débarras c'est ici et je crois que c'est fermé de toute façon. Ouais, et toilettes c'est là, et toilettes c'est ouvert, il y avait des balles de pont, je suis vraiment un putain d'enculé. Parfois, je m'agace. Tu sais, je m'agace. Genre, en fait, là, j'aurais juste été au chiotte, j'aurais eu deux balles de pont, j'aurais buté deux infirmières sans aucun souci, tu vois. Mais non. Fallait que je speedrun comme un enculé sans regarder ma carte. Maintenant, je vais tout le temps la regarder, du coup. Donc là, la piscine, c'est... Première fois, je vois une piscine dans un hôpital. Donc là, c'est infirmière. Ok, donc infirmière, c'est très simple. Gros bâton, et c'est terminé pour elle. Non, par contre, réussi à la taper, mec, je t'en supplie. Voilà. C'est bon ou pas? C'est bon. Ouah, il m'a fait peur, je me suis dit, putain, elle va se relever, frérot, il arrive pas à la taper. Putain, en plus, il donne pas de soin, les bâtards. Gros bâton. Non mais... Le frérot, ça me termine quand il tape dans l'armoire, il tape genre sur le bois. Ouais, en vrai, infirmière contre pompe, c'est fort, hein, c'est fort, fort, fort. On peut ouvrir ça? Non, mais c'est une porte, je suis débile. J'ai cru que c'était un mur à casser, tu sais. Donc là, on arrive cuisine. Non, c'est pas du tout cuisine, c'est une autre salle où il y a des trucs.
Il y a une oreille avec du truc vert gluant un peu. Ça déjà on peut déverrouiller. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres trucs? Il y a un carnet avec écrit encore un incident avec le sujet numéro 5. Alors, le jardin, je suis pas sûr d'avoir envie d'y aller parce que, en fait, ça sert à rien pour l'instant. Je pense qu'on ira après le jardin. Parce que là, en fait, ça sert à rien pour l'instant. Tac, et j'entends des mobs et à mon avis, il doit y avoir au moins 2-3 infirmières dans le jardin. Donc ça me saoulerait de perdre 2-3 balles de pompe qui pouvaient être utiles potentiellement pour autre chose. Non, c'est fermé ? Tiens, là, c'est quoi? Ouh là, c'est donc. Ce cas rappelle de Bastion 14 un incident un établissement. Le patient a été amené sur l'ordre du tribunal, concernant ses proches. Son état s'améliore dans les premières semaines. Tu sais, moi, ça me fumerait. Par contre, moi, je serais un peu déçu quand même si c'est ça. Mais si, en fait, le patient de qui il parle depuis tout à l'heure, son nom de famille, c'est Sunderland, ou son prénom, c'est James et tout, en fait, il se rend compte qu'en fait, c'est lui et qu'il s'est passé un truc. En fait, c'est dans sa tête ou je sais pas quoi. Colloque et l'art-thérapie avait abouti à son repli social. Quand on l'a retrouvé, il était déjà trop tard. D'accord. Le patient a tué un gardien, je crois, si j'ai bien compris. Alors comment c'est possible qu'un patient tue un gardien? Genre les gardiens, ils sont censés être armés et tout, tu vois. Genre le patient, il arrive, tu le fumes, quoi. Oh putain, c'était quoi ça? C'était quoi ça? Message cohésent d'un clavier à code. De toute façon, on en a que deux de clavier à code, donc bon. Ok. Est-ce qu'il va écrire sur sa carte? Non. Bon bah tant pis. Bon du coup, on a une combinaison, hein. Donc à noter que si on croise un clavier à code, genre si on passe à côté ou quoi, à noter que ce serait cool de revoir le message du coup. Là-dedans, est-ce qu'il y a des trucs? Non, il y a rien, donc ça sert à rien de casser. Donc là, la piscine est là, hein, je crois. Hein. On peut déverrouiller d'ailleurs. On déverrouille, frérot. Oh, je suis obligé de le viser à chaque fois. Donc là, c'est la piscine. On est d'accord là où je vais. Qu'est-ce que je fous au vestiaire? Ah, les douches sont fermées. Mais comment je fais pour aller à la piscine du coup? GG Lina pour le niveau 84. Yep. Mais comment je fais pour y aller du coup? Je pense que je vais juste aller au clavier à code. Donc le clavier à code, il est où? Il est au-dessus. Avec salle des soins. On va y aller, je pense. Je pense que c'est le clavier à code. Je pense que c'est celui-là. Hein. Alors, l'escalier, il est où, par contre? Donc là, je suis là. Donc je sors, je vais à droite, puis je vais à gauche. Donc je sors, je vais à droite. Non, à droite. Puis je vais à gauche. Voilà. Donc là, on va déverrouiller le truc à code. Et je pense que ça va nous donner la clé du jardin ou un truc du genre. C'est au-dessus ou en dessous? Je sais plus. Je crois que c'est au-dessus. Hein. C'est clairement pas au-dessus. Si, c'est au-dessus. Donc là, par contre, c'est là que je dois aller. Enfin, les infirmières mortes, il y en a tous les centimètres, frérot. Quoi? Ah, ça respawn. Ah, relou, ça. Oh, j'avais pas vu ça. Tiens, hop. C'est cool. De toute façon, en vrai, on a un pont. Donc, en vrai, les infirmières, tant que j'ai les balles de pompe. Donc, attends, c'était ça, ça, ça et ça. Ok, let's go, c'était ça. On va pas s'en occuper en vrai. Ah, j'aurais préféré des balles de pompe, mais on va pas faire les fines bouches, hein. C'est crado. C'est quoi ça? Ils me nourrissent d'ordures et de viande pourrie, grouillante vert, plein de tendons. Ils me font mordre dedans. Les jus rouges et jaunes giclent au fond de ma gorge. Je mets tout, j'ai des haut-le-cœur, je vomis jusqu'à avoir mal à la gorge.
Ah putain, c'est... La description était assez... assez lugubre. Quoi? C'est quoi? Où ça? Putain, mais j'ai juste un bruit, ça m'a fait peur. Donc là, attends, il faut peut-être aller justement au truc de radio. Parce que vu qu'on a la dernière radiographie, on peut peut-être faire quelque chose. Il n'y a plus un bruit, ça me fait flipper. Donc on a eu quoi en fait? On a eu une radiographie, donc bah, le but ce serait d'aller à la salle de radiographie MDR. Salle de radiographie qui est tout en haut. Chat qui miaule. Donc tac, donc il faut reprendre l'escalier. Où est l'escalier? Bah il est juste à côté de moi en fait, je suis vraiment abruti. Tac, et là il faut aller en haut. Ça, par contre, cet endroit, ça, genre ces étapes là plutôt me rappellent pour le coup beaucoup Resident Evil. Je disais que c'était un peu différent, mais là, pour le coup, ça se ressemble pas mal, en fait. Il est où, là, le truc de radiographie, en fait? What? Je suis perdu. Là, il est là-haut. Il faut aller là, je crois. Et voilà, il est là. Il est ici, ouais. Tac. Voilà, et donc là... Ah ouais, mais il faut la laver, en fait. Il n'y a pas un lavabo, un truc pour laver? Putain, mais comment je fais? Comment je fais pour enlever? Ah, je peux combiner avec un truc. Ah oui, ça. Ok, nice. Et là. Voilà. Là, prends celle-là. Et viens la replacer. Comme ça. Et du coup, c'est 4, 11, 12. Attends. Non, 4. C'est quoi? Attends, quoi? 4, 3... Attends. J'arrive pas à... Vous voyez quoi, vous, là? Moi, je vois 4, 37, 12. Ouais, 4, 37, 12, c'est ça. Ok, d'accord. Du coup, on a trouvé 4, 37, 12 pour aller où, en fait? Ah, ok. Bah, c'est le cahier qui est juste en face, en fait. Tac, donc. 1, 2, 3, 4... 37. 1, 2, 3, 4. Non, je suis con. C'est 17 peut-être, attends. 4, 17. Quoi? Non. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Mais comment ça marche? Attends. Le 4, ça fait un petit clic, donc c'est que c'est bon. 37. Ou c'est 31 peut-être, attends. Mais non, mais je suis... On est con ou quoi? Mais... 4. Attends. Quoi? 4. 37. Et là, ça marche quoi? Et 12. Et j'ai pas fait ça avant? Je suis peut-être débile, hein. Ah, encore eux. Et ils saoulent en vrai, c'est crado ici, hein. Hein, c'est crispouille, je dirais même, tu vois. Ah, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est vrai que c'est un peu dégueulasse. Hein. Bon, du coup, on a le bracelet. Le deuxième.
Le deuxième bracelet. Est-ce qu'on va le poser? On va aller le poser. Tac. Donc deuxième bracelet, je sais pas où je vais, je sais... Oh! Ah oui, merde, c'est la fenêtre. Okay. J'étais en mode, attends, on pouvait sauter par la fenêtre, genre? Voilà. Attends, tout en haut, il y a quoi, en fait? Ah, on peut pas y aller encore. Si, on peut y aller? Je sais pas, c'est entouré. Ta gueule, le chat, par contre, genre, je veux bien que tu miaules et tout comme un petit mignon, mais... Ah si, je peux ouvrir? Non. Non, sors pas le pompe quand c'est inutile, mec. Généralement, un fusil à pompe, c'est dans des situations plutôt délicates. Non, c'est pas là, l'escalier. C'est là, je crois. Ouais. Du coup, là, on descend. On descend de deux étages, il me semble. Là, on redescend encore. Oh, quoique. Non, c'est là, en fait. Non, c'est là. C'est vraiment là, du coup. Donc là, attends. Je vais m'orienter. Là, je vais tout droit. Puis, je tourne à droite. Donc là, je vais tout droit. Puis, je tourne à droite. Je suis obligé de le dire à l'oral parce que je suis vraiment débile, du coup je risque de me reperdre en fait. Là hop, là on met le bracelet. Alors. Et donc là je pense qu'il faut les... Il faut faire en sorte que ce soit en dessous du 4 et du 5. Ou alors comme ça, ou non comme ça en fait. Donc là c'est 4-5. 4-5. 7-1. On a déjà ça. Il peut servir à quoi le code en question là qu'on est en train de créer? Ah, il y a des monstres, super. Bon, on va sauvegarder juste avant les monstres. On a une clé ou pas ça? Non, toujours pas. Ouah, mais moi je me suis surpris à tirer aussi vite. Gros bâton et on l'a terminé avec le gros bâton. C'est bon. Alors ensuite, où est-ce qu'on n'a pas été encore? Où est-ce qu'on n'a pas été? Où est-ce qu'on doit aller? Tout simplement. Bah en fait je crois qu'on doit aller à la piscine du coup hein. C'est le seul endroit où... Parce que là c'est fait. Là on peut pas y aller. La cave, attends. Non, la cave, en vrai, je pense qu'on a tout fait. Hein. Je pense la cave, on a tout fait, en vrai. Évacuation. L'évacuation... Non, l'évacuation, ça sert à rien, je pense. Mais en fait, le problème, c'est... En fait, je veux bien aller au jardin, mais... Bon, tu sais quoi, en vrai, c'est le seul endroit où on n'a pas été, donc on va aller au jardin. Hein. On va aller au jardin et puis on va tenter de buter tout le monde. Il y a un truc à l'évacuation aussi, mais ça, j'ai l'impression qu'il faut un... Est-ce qu'on va pas essayer avec le crochet? Tiens, attends. Donc, attends, il faut aller tout en bas déjà. Allons tout en bas. Attends, donc l'attaque. Donc là, derrière moi, si je me repère, hein, si ma mémoire est bonne, les escaliers sont là-bas. Ah, déjà, il y a un monstre. Déjà, on descend. Tac. Et là, tac. Là, il faut aller du coup... D'abord, on va aller tac ici pour voir l'évacuation de 1. Et après seulement... Est-ce que je peux pas utiliser le crochet, tiens, pour attraper? Non, je peux pas. Ouais, du coup, on va dehors. C'est parti! Là, ça va être compliqué, hein, par contre. Alors, là, déjà, ces petits monstres de merde, on peut les buter avec des balles simples. Voilà. Ensuite... Impossible, il n'y avait que lui. Hein. Et voilà, il y avait lui aussi. 1, 2, 3, 4. Il y avait lui. Lui, il va prendre son gros bâton. Voilà. Le gros bâton, c'est pour lui. On remet un petit coup pour être sûr. Ah, il est pas mort, lui. Maintenant, il est mort. Ok, des balles de pompe, ça c'est cool. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'infirmière, par contre. Alors faut faire gaffe, il y a peut-être des monstres qui se cachent, hein, vous savez, les monstres... Oh, mais gros, mais en fait j'en ai marre d'avoir raison. C'est quoi, vas-y, lui, on le fight au bâton. Déjà, faut peut-être qu'on lui mette un coup. Vas-y, esquive.
discrets, enculé. Et eux, c'est les pires, parce qu'en fait, ils sont discrets. Genre, ils sont discrets et ils font trop mal, genre. Ils t'attaquent trop vite, je veux dire. Je pense, eux, c'est les pires, en vrai. Hein. Donc, dans le jardin, en fait, il y avait rien, c'est ça le délire. Ouais, il y avait strictement rien. Ah, on peut peut-être casser ça et passer par la piscine. Bien sûr que non, ce serait complètement trop facile, hein, bien sûr. Ah, si, on peut passer par là. Je vérifie, mais il y a rien à voir. Ah, si, tac. Des petites balles, ça fait plaisir, on recharge. Du coup, là. Rien. Et donc, apparemment, il y avait un truc à la piscine. Mais de ce que je vois, il y a l'air d'avoir là les trucs, en tout cas. Il y a une trappe qu'on ne peut pas aller parce que bah on n'a pas la clé. Là, il y a des balles. La piscine ne sert à rien, du coup, ouais, concrètement. Attends, ne me dis pas qu'on va devoir chercher la clé dans l'eau. Non, le mec veut pas y aller, tant mieux. Du coup, il y a quelque chose là. Pompe à piscine. Alors, ok, mais du coup, je vois pas. Peut-être plonger, peut-être tirer. Non, en vrai. En vrai, je pense pas que ce soit des trucs où il faut tirer dessus, tu vois. Ça doit faire gaspiller des balles un peu pour rien. Dans le doute, je prends le pompe. Ah, mais c'est ça, attends, gros bâton lui. Pour lui, gros bâton. Hein. Pour lui, il prendra son coup de gros bâton. Voilà. Quoi. Ah, mais lui, j'en ai marre de lui, hein, vraiment. Oh là là, quel monstre de merde. Va te faire foutre, poteau. À chaque fois, c'est lui qui me met les coups. Encore un pour la peine, voilà. Ah, à chaque fois, c'est lui qui me met des coups, hein. Oh là là, en plus, il était caché où, genre. J'ai même pas vu où il était caché. Peut-être des trucs. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est moins bien. Alors, ça va servir pour quelque chose, mais... Pff, j'ai oublié. Peut-être recharger le pompe, voilà. Et on ouvre ça. Ça peut servir à quoi, le tube médical, les gars? Tube médical. Ah, peut-être pour évacuation? Parce que je vois pas... Je vois pas ça peut servir à quoi d'autre. Hein. Bon, on va y aller tout de suite, au pire. Ça, on sera fixé. Alors, vraiment, je vois pas à quoi ça peut servir d'autre qu'à ça. Hein. J'ai dans la bonne direction ou je suis un enculé? Non, je suis pas un enculé, j'ai dans la bonne direction. Tac, tuyau médical. C'est pas ça, cool. Ça peut servir à quoi, du coup, tuyau médical? Au-dessus? Main, coffre. Non. Non, je vois pas. Encore au-dessus. Non, je vois pas. Dans la cave, je vois pas non plus. Ça sert à... Ça sert à quoi, attends? Tuyau médical. Attends, on va lire la description du tuyau médical. Peut-être ça va nous éclairer un peu notre lanterne, là. Tuyau médical long et épais. Ah ouais, cool. Ah, attends! Bah ouais, et là on va pouvoir aller faire chercher le truc dans l'évacuation. Mais ouais. Putain, tu vas prendre tes pieds. Ce trousseau de clés. Clé de maintenance. Ah bah c'est pour la pompe de la piscine. Y'a un monstre là? Non. Deux. D'accord, et là ça vide la pi... Ok, d'accord. Ah!
J'ai cru voir quelqu'un passer à la fenêtre, mais je suis pas sûr. Ah, bah lui, il est pas mort. Bah lui, il est pas mort. Gros bâton. Gros bâton. Voilà. Lui, il est pas mort. C'est vraiment dans le doute, les gars. En vrai, je pense qu'ils étaient morts, mais... Peut-être aussi parce que je suis un sadique malade mental, on sait pas. Là, casser le mur. Bah, casse le mur, enculé. Ah. Yes! On a les trois bracelets. On va se barrer. Ah. Salut. Tuer 75 ennemis avec des armes de corps à corps. J'en ai tué 75? Putain, mais ça va vite. Moi, je croyais que j'en avais tué... Ouais, non, en vrai, si 75, ça... Ouais, non, c'est cohérent, en fait. Là, au cas où, voilà. Ensuite, du coup, l'escalier, il est à l'inverse de moi. Je veux au moins qu'on finisse l'hôpital. Et après, on s'arrêtera là, peut-être. Mais je veux au moins finir l'hôpital, tu vois. Alors. Est-ce que le boss, il est à l'hôpital, Kéké, ou pas? Là, c'est où, là? Là, il faut aller au bureau du patron. Donc là, j'ai pas du tout au bon endroit. Le bon endroit, c'est là, je crois. Et là, je tourne ici. Ok, c'est là. Le dernier bracelet. Et on le met... Alors, c'est comme... Comme ça, du coup, je pense. Ah, faut peut-être inverser les deux. Attends. Donc si c'est comme ça. Déjà, le... Ah si, c'est comme ça. Si, c'est comme ça. Parce que les griffes, hein, les marques de griffes vont aux bons endroits. Donc oui, c'est ça. Du coup, ça veut dire que... Alors, je vérifie, mais... Ouais, ça, je pense que ça va là aussi. Ah non, en fait, c'est comme ça. Attends. Ouais, c'est comme ça, en fait. Putain, je suis dépit. Et vous voyez, il y avait les traces autour, c'est complètement con. Donc là, c'est la clé qui mène... Bah, la clé juste à côté, en fait. Hein, cette clé-là. Voilà, le mec note, mais bon, on sait que c'est là. Donc ça, c'est le bureau du directeur. Tac, ça c'est quoi? Ah, bouton de coffre, ok. Ok, et là, c'est le code. Alors, il faut remettre du coup aux bons endroits, mais... non, c'est pas comme ça, en fait. Attends. Comme ça. Et là... et là, ça, ça va là. Et ça, ça va là. Non, ça, ça va là. Ah, mais du coup, faut tout décaler, en fait. Ah, il faut tout décaler de 1, en fait. Donc, attends. Tac. 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 Non, ça, tu restes là. Tac. Voilà. Du coup. Oula, attends. Oula. Faut que je retienne, là. Au pire, on va les faire 4 par 4. Donc, c'est... Rond, H, 4, mâle. Ah, il a noté. Dis-moi qu'il a noté sur sa... Oh, quelle goutte. Alors, donc déjà on met le bouton, voilà, et du coup c'est rond, H, 4, mal, ça, alors après, faut que je regarde la map, femelle, femelle corne, lune, triangle, donc... femelle.
Ah non, 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 bah non, c'est pas ça qu'il faut faire, attends, non. C'est pas ça en fait, c'est il faut regarder les mains en fait. Tac. Donc c'est 9-2. Donc 9-2 c'est quoi? Alors attends, il y en a combien de symboles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 9-2 c'est triangle H. 4, 5. Triangle H mâle rond. 7, 1. Triangle mâle H rond. Femelle corne et rond. Donc. Donc c'est triangle mâle H rond. Femelle rond. Merde, c'était le rond, c'était pas le bon rond. Donc c'est. C'est quoi? C'est triangle mâle H rond femelle rond, c'est ça. Ah, alors, qu'est-ce qui va pas? Triangle H. Ah, c'est triangle H, c'est pas triangle mâle. Triangle H. Mâle rond. Femelle rond. Voilà. Ok, du coup. Une clé qui mène au rooftop. Ah, le rooftop, si c'est le rooftop, alors moi j'y vais. Hein. Leurs images sont devenues floues, se confondant, je ne sais plus rien. Bah nous aussi on sait plus rien, tu sais quoi, hop. En plus je mets un coup de bâton dans le vide. Alors, le rooftop c'est où? Ah bah c'est pour monter déjà, et puis c'est l'endroit où... C'est l'endroit où on pouvait... C'est l'escalier qui mène tout en haut, mais on pouvait pas y aller au début. Donc c'est là l'escalier si je me trompe pas. Bah je me trompe très clairement. Non, c'est bien par là en fait. C'est juste là, en fait. Là. Ouais. Donc là, on monte. Après, il y aura le petit escalier qui montre, qui montera. Donc, juste pas ici, juste au bout là-haut. Non. Waouh, le repérage et moi, c'est pas mal, hein. Voilà. Tac. Et donc là, il y aura la petite fille, c'est ça? Par contre, faudra qu'elle me dise son secret pour venir aussi vite ici, hein. Parce que putain, nous ça nous a pris 45 minutes, frérot. Même plus, hein, ça nous a pris une heure et demie quasiment. Ça c'est bien par contre. Y a rien en fait, c'est une zone qui sert à rien. C'est quoi cette zone de merde, j'ai envie de te dire. Ah. Je dis pas qu'on a fait tout ça pour une page de journal intime et deux balles de pompe. Il pleut, j'ai passé le jour à regarder les fenêtres, tous les caps ici. Il pleut toujours. Mais j'ai discuté avec le médecin, il m'aurait sauvé la vie si j'avais pas eu de Fabien Auré. Mais ferme ta gueule, mais qu'est-ce qu'il a? Regardez, vous le voyez en plus, regardez si je fais ça. Qu'est-ce qu'il a, Gonza? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qu'il a, Gonzalez? Regardez-le, il est là. Gonzalez. Il regarde méchamment. Il regarde trop méchamment, ce Neuil. Viens là, Gonzalez, viens. Tu vas faire un câlin, ça, Gonzalez? Non. Yitini va manger, mais pas de crabe. Oula!
Donc là, c'est une un patient ou une patiente qui veut retourner chez lui. Enfin, que le médecin a dit qu'il pouvait retourner chez lui, mais en fait, il a peur de... Oh putain, fils de pute, il m'a fait trop peur. Ah, je m'y attendais pas pour le coup. Ah, je m'y attendais pas, bien joué. Putain. Non mais quel bâtard, il m'a coupé pendant que je parlais et tout, mais quel bâtard. Putain, il nous a bien baisé, hein. Putain d'enculé, là. Manquait plus qu'il nous tunait, bah là, j'aurais quitté le jeu, hein. Et désinstallé. Attends, mais quoi? Mais de... On est tombé de super-héros? Comment on n'est pas mort? Attends, quoi? Le mec, rien de cassé, Ah, il est tombé dans l'ascenseur. Il a vraiment eu beaucoup de chance, hein. Faudrait peut-être aller voir Maria, pour le coup, hein. Pyramide Head, c'est le créateur de tout ça. Bah alors, c'est rien, moi, mais... Juste... je pense ça parce que... Ouais, regarde, petit lapin et le loup qui les observe. Je pense que le loup, c'est PH, du coup. Mais... Bah, gros bâton, tout simplement. Gros bâton et puis on pète la vitre. À un moment, on l'a vu qu'il prenait les monstres. Tu vois les monstres qu'on affronte depuis tout à l'heure, Iliana. On a vu qu'il prenait un monstre et qu'il était en train de le démembrer pour bah, en faire justement un monstre en soi. Je viens de répéter deux fois la même chose, mais t'inquiète. Ok, petite seringue pour les... pour la drogue. Ah, du coup, on est revenu là. Ah, et du coup, on est passé enfin à l'endroit où on pouvait pas passer, en fait. Donc là, tac, on va aller voir Laura. D'abord, on va passer par les trucs comme ça, là. Ah ouais, c'est les cellules d'isolement. Ça, comment ça doit être horrible. Genre, ça doit être horrible, vraiment. Parce qu'en plus, les murs, ils sont... Genre, les murs, ils sont faits exprès pour que tu... tu sais, que t'entendes pas. Encore un souvenir. Mais de où ça, c'est un souvenir? Mais je sais pas, en fait, ça fait vraiment les mêmes bruits. C'est comme si tu... Tu sais, comme si tu voyais un truc et ça te rappelait un truc, genre... En mode, là, si ça lui rappelle un truc, faut se questionner, mon pote, hein, parce que là... Cinématique. Avec sa petite lampe, là. Mais elle, je pense que c'est une malade de l'hôpital, en vrai. Hein. Laura? How do you know my name? Eddie told me. That big fat blabbermouth. Wesh. Why do you keep running away from me? And how do you know about Mary? I just do. What's the big deal? Why can't you just tell me? You gonna yell at me if I don't? No. I won't, please, just... I need to know. Mary's my friend. We met at the hospital last year. Stop lying! Laura, I'm sorry. Fine! Don't believe me! Putain! En fait, tout s'explique là, du coup. En fait, elle est pas morte, elle a juste été internée, quoi. Et ça se trouve, lui, il veut pas... Genre, ça se trouve, en fait, James, genre, il fait genre elle est morte, mais en fait, elle s'est juste fait interner, il accepte pas, tu sais. Il accepte pas que sa femme soit atteinte de folie et... Et du coup, elle a pété un... il a pété un câble et il a imaginé qu'elle était morte. Et en fait, du coup, ça en fait, du coup, c'est logique qu'elle lui ait envoyé une lettre, en fait. Parce que en fait, elle est pas morte et lui, il est là. Mais c'est incroyable! Mais normalement, elle est censée... Alors que ça se trouve, en fait, c'est lui qui se persuade. Genre, en fait, c'est lui qui est à moitié fou, qui dit « Ah non, non, tu sais, il est dans le déni, en mode. » Il est là « Non, non, elle est pas folle, elle est pas folle, elle est juste décédée, tu vois. » C'est peut-être plus facile... Bon, plus... Je sais pas si c'est plus facile à accepter que ta meuf soit morte, qu'elle soit internée, mais... Je sais pas. Ou alors, les médecins, ils l'ont pris, de force comme ça, et il a vu qu'elle était... Enfin, non, je sais pas, en vrai, parce que... C'est-à-dire que notre perso serait fou, du coup. Parce que, ça dit, je l'ai rencontré à l'hôpital l'année dernière, elle a dit, la petite. L'année dernière, du coup, c'était il y a pas longtemps, quoi. C'était pas il y a 3 ans.
Bon, c'est quoi, vas-y, mes théories, c'est le plus de la merde, de toute façon. Run around this place. You might get hurt. Hurt by what? Look, just stay with me, okay? This is no place for a kid. Fine. But there's something I gotta get. Laura. It's important. What is it? A letter. For Mary. What? I hid it. In there. Bah ouais, c'est sûr que c'est un super endroit où il y a l'air d'avoir pas du tout un boss et tout. Par contre, la scène où PH il t'a chopé le callback là, putain, je m'attendais pas du tout. Hein. Genre, tu sais, il se passait rien depuis tout à l'heure. En même temps, c'est logique, il fallait forcément qu'il arrive à un moment parce que ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Ok, wait here. Yeah. Bon allez, jumpscare derrière le tuyau, il y a le... Open the door, Laura. Why should I? I'm a liar, right? Want me to open it? Huh? Do ya? Laura, open this door right now. It's the magic word. Laura. Nope, that's not it. I guess I won't open it. Get me out of here, you little brat! In your dreams, bark face. Please open the door. There's something in here. Sure there is. A big lying fart face. See a fart face! Laura! Laura! Non, mais c'est un boss bizarre. Eh, hey, Laura, vas-y, qu'elle aille bien... Se faire cuire un œuf. Le mec, il peut pas. Il est obligé de rester un peu poli, le gars. Bah ouais, vas-y. What the fuck, c'est quoi ça? Yeah. Wesh, il se tient à la barre et tout, carrément. Oh non! Bah ouais, boss fight, allez. Comment tu veux le battre, lui? Je comprends pas. Faut le taper, là? Ouais, faut le taper. Ah. Il va spawn où? Il va spawn où, le bâtard? Ah, il est là, il est là. Il est là. On le voit bouger en fait. Ah, wesh! Putain, il fait trop mal. Il est où? Il est au-dessus de moi. Faut surtout pas qu'il soit au-dessus de moi en fait. Il est là. Mais quoi? Mais faut que je fasse quoi? Je pense qu'il faut que... Je dois me battre au flingue en fait. C'est obligé genre. Ah non, là il faut que je tape là. Ok, il faut que je tape quand il bouge pas. Quand il bouge, je laisse bouger genre. Il est là. Faut peut-être que je tire quand il passe genre comme ça. Il bouge le métal comme ça, cet enculé. Par contre, moi je te dis, j'ai pas. Plus de balles. Bon, bah on va prendre le pompe. Hein. Oh, vas-y, c'était. C'est... Non, je pense pas, il faut vraiment le. Oula. Il est passé avec deux griffes cette fois-ci. C'est quoi ce boss bizarre là? Frérot, c'est une cage le boss. Il est où? Il est là. C'est une cage qui... D'accord, je vais me rééquiper du gros bâton. Pourquoi je peux pas bouger? Je peux pas bouger? Ah si, c'est bon. Il est où? Faut que j'esquive, il va taper. What? Mais... Ah, j'étais loin.
Ok. Ouais, il attaque deux fois. Ok, ok. Ça devient un peu dur là. Enfin, je vois ce qu'il faut faire en fait. Il faut le taper quand. Comment le créateur a eu cette idée? Je sais pas, mais en tout cas. Pas mal l'idée, pas mal l'idée. En vrai, il est assez facile à battre en vrai. Hein. Il suffit de dodge juste quand il tape avec ses aiguilles là, mais. En vrai, avec tout le soin que j'ai. Je suis tranquille, hein. Là, je peux pas le taper parce qu'il se balance. Oh, il a break. Wesh. Oh non. Ouais, il était bien en l'air en vrai. Ah, il essaie de se... Alors, j'aurais peut-être dû en profiter. C'était peut-être un moment où il fallait en profiter, justement. Qu'est-ce qu'il fait? Oh la vache. Il fait mal, il fait très mal. Ah, le bâtard. Faut que je me soigne, faut que je me soigne, faut que je me soigne. Ah, le bâtard. Il me laisse ça me soigner. Bah, en fait, je comprends pas comment. Comment il fonctionne en fait. Ok. Putain, mais il me fait des dégâts là depuis tout à l'heure en fait. Ok, il remonte, il remonte, il remonte. Aïe aïe aïe! Soin, soin, soin. Ah, mais il y a des balles en fait tout le long là. Attends, t'sais quoi? T'sais quoi? Vas-y, pompe. Hop, je me soigne. Il faut une aiguille. Ok. Oh le bâtard. Eh, t'sais quoi? Nique ta mère, poteau. Il est mort? Putain, mais quel bâtard! Par contre, attends, mais je l'ai battu sans utiliser de drop du jeu. En vrai, je suis trop fort. Déjà, first try. Ah, ah ouais, mais il y en a. S'il y en a. Frère, s'il y en a 20 000 aussi. Vainquer les lèvres de chair. Ah. Ils étaient pas seuls tout en fait. Oh, Marie. Mais ouais, en fait, je pense. Moi, tu sais quoi, je pense que ma théorie elle est bonne en vrai. Hein. Le fait que. Comment? Que en fait, elle soit folle en fait. Et que. Il ait voulu. Genre ne pas s'avouer ça. James. Faut appuyer là, faut cliquer. Non, je sais pas parce que ça a l'air de se répéter en boucle. Imagine, c'est la fin du jeu, genre. Juste on meurt par les lèvres de chair. Bon, ah super. Par contre, Laura, quelle petite, mais... Ah si. Tu sais, en vrai, moi, je suis James, je comprends que qu'il ait la haine contre elle et qu'il l'ait insulté de petite brat, comme il a dit. Parce que frérot, désolé, mais tu nous amènes à un endroit, on dit un truc qui veut nous buter et tu... Oh, vas-y, bah, tu sais quoi, je vais même pas parler d'elle, en vrai. Attends, mais on est de retour, ça me dit un truc, ça. On n'était pas déjà passé par là? Non, je pense pas, je pense que... Bah, en même temps, tout se ressemble dans le jeu, alors. Attends, mais par contre, j'ai la haine. Putain, mais j'ai la haine, j'aurais pu ramasser toutes les... Oh, putain, mais je suis vraiment trop con, j'aurais dû ramasser les balles pendant le boss fight. Parce que du coup, j'ai loupé plein de balles, en fait, là. Genre, il y avait plein de balles, il y avait plein de trucs et tout, et je me retrouve à poil avec... avec 5 balles de pistolet et 2 balles de pont, quoi. J'aurais tellement dû drop tout, mais j'avais pas vu, en fait. Déjà, en fait, il faut que je me mette un truc dans le crâne, c'est que tout le temps, j'oublie que dans les boss fights, ils mettent du drop. À chaque fois, même dans Resident Evil, je suis choqué, tu sais, je suis là, je tire, putain, j'ai plus de balles, et après, je regarde autour de moi... Et bah ouais, en fait, il y a des balles tout autour, espèce d'enculé, tu vois. C'est marqué quoi? Recommandation, tous les moyens sont bons. Patient 31-41.
Ah, cool, 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 cool. On va s'arrêter là, je pense, les gars. Tac. On a fait un petit live de 2h40. Pas mal. Et on aura fait un boss. Eh ben, putain. Franchement, le jeu m'a surpris. Le jeu m'a surpris. Bah, il m'a pas surpris dans le sens où il est bon, hein, ça, j'avais... J'avais déjà compris qu'il était bon, le jeu. Mais, déjà, screamer de Pinhead, mais non, c'est mauvais jeu. Mauvais film. De Pyramidhead. Mais, screamer de Pyramidhead qui a fonctionné. Les monstres, là, de merde, là, qui ont des jambes à la place des bras, là. Allez bien vous faire enculer. C'est tout ce que j'aurais à dire sur eux. Allez bien vous faire foutre. Parce que, putain, mais qu'est-ce qui pète les couilles. Frérot, ils sont là, ils sont chiants, en fait, ils font pas de bruit, c'est les seuls qui font pas de bruit, donc c'est les seuls qui surprennent. Sinon, on a un peu plus appris, déjà sur, j'allais dire sur Maria, mais non, en vrai, juste, elle est en train de dormir. Et puis, comme par hasard, elle, il n'y a aucun monstre qui vient l'attaquer ou quoi, alors que la porte est ouverte, hein. Elle a vraiment de la chance. On a vu que Laura, la petite gamine, c'était vraiment une bonne grosse merde. Hein. Une bonne grosse merde. J'espère qu'elle crève. Oui, à ce point-là. Voilà. J'espère qu'elle crève. Parce que, putain, elle nous a envoyé à la mort avec une cage avec des pics. Hein. Et je n'abuse pas, je n'abuse en rien. Et du coup, ouais, Pyramidhead, on l'a pas affronté en fait, hein, il nous a juste jeté du plafond. Et en vrai, c'était sympa. Les énigmes étaient bien. Mais en fait, ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est que en fait, le mec, quand il trouve un truc, il note sur sa petite carte en mode ah ouais, donc là, il faut que je retourne ici. Et du coup, t'es pas en mode ah, je dois tout retenir de ce que je vois parce que je vais pas me rappeler et tout, et tu sais, t'es pas là quand tu trouves un objet, t'es là, putain, c'est pour où déjà, c'est pour où, c'est sur ça, c'est pour le deuxième étage, c'est pour ça, du troisième étage. Du coup, c'est beaucoup plus simple, en fait. Parce que le mec, vu qu'il note tout, eh ben en fait, il note là où tu dois aller, donc en vrai, c'est cool. Et c'est pas en genre un jeu en mode, tu sais, c'est full dicté, tu vois, genre en mode, ça te dit tout ce que tu dois faire, genre un jeu scripté, un jeu un peu nul. Ça te laisse quand même le choix, mais ça t'indique quand même, tu vois. Par exemple, il met des points d'interrogation là où il est susceptible d'avoir quelque chose, tu vois, souvent. Donc, en vrai, moi, j'aime bien ce truc-là. Le jeu est grave bien. Ouais, il est clairement cool, hein. Il est clairement bien. Du coup, ça vous dit, on continue demain, du coup, le jeu. On est à combien de pourcents? En vrai, je sais pas, on est à combien de pourcents, mais... Je pense qu'on doit quand même... On est à la moitié ou pas? Je sais même pas si on est à la moitié. Bon, de toute façon, on verra ça plus tard. De toute façon, on se retrouve demain pour le jeu. Pour continuer, je vais peut-être poster les let's play sur YouTube. Moi, j'ai toujours pas fait là sur la chaîne de Rediff. Je vais le faire, je pense, là tout de suite. Du coup, vas-y, les gars. Moi, je vous dis à demain et pas à deux pieds pour la suite de Silent Hill. Jeu excellent. Salut, salut. Tout jeune. Ouais. Ok. Ouais, t'inquiète, je sais ce que je fais, gros. T'inquiète. Ok. T'es posé sur le live Vanoué. Ouais. Tu sais toujours pas où t'as mis les pieds. Mais tu sais déjà que tu vas kiffer. Yeah. Même s'il a un peu détraqué. Ok. Tu te demandes c'est qui j'ai mis. Bien sûr c'est moi, c'est Speedy. J'ai bien sûr un talent inné. Yeah. Tu hésites carrément à te branler. Les mots de l'auteur sont sûrs. Ok. Parce que j'ai baisé l'os. Ok. J'suis désolé pour ce couplet. T'avais qu'à pas me charrier. Yeah. J'ai pas tardé à m'éclipser. J'vais même te demander de t'abonner. Ok. En YouTube, Insta en description. Reviens nous nettoyer le fion. Okay. Les vocales sont intenses. Yeah. Je sais déjà que tu vas finir en transe. Yeah. Bref, sur ce, moi je vais te laisser. Mm-hmm. N'hésite pas à aller tresser la poignée. Yeah. Tout ce que je chante est compliqué. Mm-hmm.